Bonsoir. Oui, bien sûr. Comment ça va? Ça va tranquille. En fait, j'avais précisé sur le tweet que je pensais qu'il y avait que enfin je m'étais rappelé que c'était pas qu'en fait en voyant qu'il y avait personne dehors. Genre je sors tout à l'heure et il y avait vraiment personne dehors, pas de bruit de bagnole, pas de clodo, même les clodos étaient en vacances quoi. Et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? En fait oui c'est Pâques, donc oui c'est férié, et oui c'est bonne soirée, et oui c'est soirée tranquille, et salut tout le monde, Salam, Wap, Hoffman, B44, Polyon, Poons, Nick, Momo, et pour l'instant je crois que c'est tout. Enfin, à part les autres, la masse silencieuse comme il s'appelle, j'adore d'ailleurs ce nom. Mais j'espère que ça va, hein. Donc oui, ce soir, Ersoc aussi. Ersoc, je sais pas comment on prononce, mais on va dire Ersoc, allez. Donc ce soir, on va faire un petit coup de Katamari Damacy, normalement, on va le finir. J'ai regardé vite fait ce qui reste, et ouais, il reste genre 3-4 maps, quoi. Donc ça va pas être long du tout. Ensuite, on va faire... je sais pas trop dans quel ordre, en fait, si on fait d'abord genre un run ou deux de Enter the Gungeon, et ensuite de Euro Truck Simulator, ou alors Euro Truck Simulator avant Enter the Gungeon, ou bien même... Quand bien même, ou bien même du Prison Architect, donc je sais pas. Franchement, il est impatient que tu commences sur l'écran. Ouais, il a envie de se chier dessus, en fait. C'est pour ça qu'il a un putain de tambour. Moi, j'étais pareil. Putain, j'ai envie de pisser de ouf. Ça, c'est moi, tu vois. Donc, ouais, voilà. Voilà, ça va être gros stream, beauf. Oui, alors oui, sur Euro Truck Simulator, surtout, j'ai installé quelques mods. Quelques-uns, vraiment. J'ai pas installé beaucoup de mods sur Euro Truck Simulator. Ça reste vraiment un truc sympathique. Et pourquoi pas tout en même temps, c'est vrai. C'est vrai. Je dirais ETS avant les runs d'Enter the Gungeon ont tendance à s'éterniser. Oui, ouais, évidemment. Mais écoute, excuse-moi de vouloir gagner, quoi, Momo. Hein. Je veux pas te déranger, hein. Pardon de vouloir d'avoir un peu de victoire dans ma vie de merde. Je voulais passer sur World War Z. Vous allez faire du retrait, je vais arrêter. D'ailleurs, sur World War Z, on va World War Z. Ça dépend de quel côté de l'Amérique du Nord vous êtes. On va en faire normalement samedi prochain avec 2-3 copains. Donc, si jamais vous êtes curieux de voir comment rend le jeu, on va en faire samedi prochain. Parce que ouais, on est assez trendy quand même à la Megaforge. Tu vois, on fait des jeux que personne n'a encore. Tout le monde de là, mais voilà. Voilà, voilà, on est quand même street cred. Sinon, en d'autres news, il y a un slot. On a un slot en rap d'émote. On a une émote en plus sur Twitch, mais je l'ai pas encore configuré. Donc voilà, je vous demande ce soir solennellement. D'ailleurs, s'il y a un mode ou un truc comme ça, enfin, je crois qu'il y a que Momo là en mode sur le chat. Mais s'il y a quelqu'un qui veut faire un poll ou un truc comme ça, ou alors dans les doléances sur le Discord, de balancer des idées de démotes à foutre sur Twitch, parce que bon, ouais, on a un slot en plus, donc on peut mettre ce qu'on veut. Le pas de chat comme émote. Ah oui, avec le petit chat qui pleure là. Il est pas mal. Un emoji pinou. Pinou. Non, j'ai dit Momo. Non, j'ai dit Poléon. Non, ah oui, je voulais dire Popo. J'ai dit Momo. Écoute, entre Popo et Momo, je suis désolé. Hein. Je galère. Hein. Donc, bref. Bon, bah, écoute, tu sais quoi, on va lancer Katamari. Hein, c'est bon, maintenant, on a pas autre chose à foutre. Mais voilà, cherchez quand même des idées de ce que vous aimeriez voir en emote sur le channel, sur le Twitch. Et vos désirs seront. Pas des ordres, mais plutôt des conseils. Tu vois ce que je veux dire? tu veux être modo, Momo? Attends, est-ce que je peux te foutre modo? Comment on fait? Il y avait pas un truc genre... bloqué, non, c'est pas ça. Permit? Non, permit, c'est pas ça non plus. Permit, c'est le... La grenouille. Bon, elle était bien. Moi, je trouvais qu'elle était pas mal. Franchement, je trouvais qu'elle était pas mal. Une émo tête de chien qui fait le schlag comme celle que je te montrais il y a longtemps. Tête de chien qui fait le schlag. Qu'est-ce à dire? Elle est pas mal, mais pas ouf. Eh bon, écoute, on s'est pas non plus obligé d'être le maximum tous les jours. Allez, go. J'adore ce truc. Allez, go. Vous allez me dire au niveau du son, parce que je pense que le jeu va gueuler un peu. Attends.
Allez, prends-toi 5 décibels dans ta gueule, voilà. PK, normalement ça devrait être bon là. Il chante mieux, putain. Ça va, ouais, qu'est-ce que vous avez ce soir, bande de fils de pute? Tout le monde me vanne là, c'est catastrophique. Je la laisse à chaque fois, hein. Franchement, je la laisse à chaque fois. À chaque fois. Ma chaise grince. Quand je danse, ma chaise grince. Un des petits canards, un volcan des oies, un éléphant. Des petits pandas. J'adore. C'est tellement bien. Ah, d'accord. Non, si. Ah oui. Ok, d'accord. Allez, go. Alors, normalement. Donc, j'ai une petite guitare sur moi. Tiens, on va changer ça. Qu'est-ce qu'on a? On a une petite couronne de roi. Un petit canard. Le fait que ce soit marché. Le fait que ce soit marché, marqué petit canard. Ça m'éclate. Je pense que ça va être unanime et tout le monde va vouloir mettre un petit canard, c'est ça? On est d'accord? Ou alors la ceinture de champion. Non, à mon avis, tout le monde va dire ouais, le petit canard. Petit canard. Petit canard, allez, si Funeral il est pas là, franchement je pète un plomb. Si Funeral il écrit pas un message dans 10 secondes, je coupe le stream, je coupe la mégaforge et je lui coupe la couille. Ça vous fera un joli petit sac pour rager vous de la couille. Allez, petit canard, let's go. Alors, donc où est-ce qu'on en était? Les pattes de canard! Alors, faire une étoile 9 ou alors faire la vierge? Eh bah écoute. Let's go vierge, hein, d'abord. Donc on avait fait déjà tous les autres trucs, grand ours, la couronne boréale, le taureau, poisson, etc. Ben on va faire la vierge. Je sais plus qui est vierge comme signe astrologique, hein, je veux dire, je m'en fous du reste. À la méga force, je sais plus si whisky est vierge ou balance ou cancer. En tout cas, je sais qu'il a un signe astrologique avec un nom de merde. J'étais pas là pour le poisson. Ah bon? Bah ça fait très longtemps aussi, t'es sûr que t'étais pas là? Parce que ça fait super longtemps, hein. Allez, go, faire la vierge. Qu'est-ce que c'est? Il manque quelque chose. Est-ce notre cadeau royal? Non, c'est pas ça. Oui, nous avons compris, le sublime, le ciel ne me rend pas très beau, il est grossier et masculin, peut-être moite. Nous voulons une pureté sublime et féminine. Déjà, c'est sexiste, on peut être un mec et doux. Non, je déconne, les mecs, ça coupe du bois, ça conduit des camions et ça pète. Principalement à 90%. Il doit y avoir tout un tas de jeunes filles comme ça sur Terre. Et du coup, bah, notre délire là, c'est de kidnapper des filles, c'est ça normalement? Voilà, c'est ça. On a en plus un petit catamari avec des cœurs, mon poteau. Regarde, Pâques, c'est pour Pâques. Tranquillou, Pâques, avec des petits cœurs. La terre est pleine de jeunes filles, de jolies jeunes filles. Un autre jour de chance pour le prince, des jours comme ça, on n'en voit pas tout le temps. Prenez-en le plus possible pour que Tamari soit recouvert et pour faire une magnifique constellation pour un ciel vraiment joli. Les jeunes filles de la terre s'ennuient vite, oulou. Ah, putain, la salope, putain, mais je suis en quoi? Putain, j'étais en cinématique, sale pute! Allez, go. En plus, j'ai déjà pris une cloche alors que ça n'avait pas commencé, quoi. Ah bah super, Lonely Rolling Star en plus. Vous me direz au niveau du son si ça va, j'ai l'impression que c'est un peu fort, mais au pire, on s'en fout, allez, go. Donc là, le délire, en fait, j'ai compris, genre, à la fin du jeu, comment ça marchait ces missions-là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un compteur en haut à gauche, en plus de la taille juste du catamari, et c'est le nombre de gonzesses qu'on a, enfin, d'items particuliers qu'on a sur notre run, quoi. Et je crois qu'en fait, ça, je l'oublie de jeu catamari en jeu catamari, je l'oublie, ce truc-là. Et à chaque fois, je dis, mais c'est quoi, comment ça marche, je comprends pas, tu vois. Donc en fait, ça change pas grand-chose, ces missions-là, quoi. C'est juste que bah, les gonzesses que tu ramasses sont comptabilisées, quoi. Tu peux baisser le jeu d'à peine 10% pour être nickel, poteau. Ok. Et genre, comme ça, en fait, ça devrait aller. Normalement, on est pile, là. On est pile bien, là. Ah, j'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose, mais... Katamali. Putain, je danse, je danse. Oh, putain.
Ah, Russian a lu mon commentaire. Un petit poil fort. Je suis désolé. Mais je suis désolé. À chaque fois, en plus, je me fais engueuler. Genre, ouais, tu lis pas les commentaires, machin et tout. Pourtant, j'essaye. Je fais mon maximum pour lire les commentaires, mais j'en loupe tout le temps. Il y a vraiment plein de fois où j'en loupe. C'est marrant comme nom, j'en loupe. J'en loupe. C'est vraiment une faute de bonne foi, quoi. Je suis pas méchant. Franchement, je suis pas méchant. Je loupe pas vos commentaires exprès. Hein. Vogue. Télé-le. La Lonely Star. Je ramasse rien, je me balade depuis tout à l'heure en fait. Prends la télé. Ok, ça c'est bon. On est à 1m38, je crois qu'au bout de 1m60, on peut commencer à choper des gens. En tout cas, des petits gens. Comme le mec dans. Robin des Bois. Est-ce que c'est une nana qui se pèse mais qui veut être moins lourde, du coup elle se met des ballons? Ah, tu vois, elles sont ingénieuses les gonzesses au Japon. Oh, je kiffe, j'adore l'ambiance de ce jeu, putain. C'est tellement génial, c'est tellement tout positif, quoi. Y a pas un truc qui peut énerver, bah, à part évidemment foirer toutes ses saves, tout oublier, enfin que tout soit niqué dans une espèce de conspiration cloudesque. Mais ça changera pas son gros cul. Waouh, bravo Yadar. Putain, bravo le body shaming. On est où là, mec? Putain, mais tu te rends pas compte de ce que tu dis? Et tu sais Yadar, les mots c'est comme les couteaux. Hein. Non mais attends. Tu crois où là? Déjà, on parle pas comme ça des jeunes filles. On dit elle est bien en chair. Ou alors elle mange bien à la cantine. Au maximum, ok? Et encore. Franchement, je sais pas ce que je préfère entre toi qui les lit pas tous, ou Poléon qui les lit tous, mais pas correctement. Mais si tu veux, il y a l'entre-deux, il y a Spider, quand on lit quasiment aucun, et le peu qu'il lit, il les lit mal. Donc, c'est comme tu veux. Si tu choisis, franchement, tu choisis. Allez, c'est pareil. C'est parti, je veux dire. On commence à kidnapper des gonzesses. Voilà, donc là, on ramasse des petites statuettes aussi qui s'appellent 3 femmes qui attendent ou 2 femmes qui attendent, etc. Ça compte pour des gonzesses aussi, hein. Littéralement, les femmes sont comptabilisées en même temps que les objets. Je dis rien, mais j'en pense pas moins. Hop. Chope ça, comme on dit, chope ça. Dead ça. Attends, je prends aussi les biches au mien. C'est des biches, c'est féminin, normalement, on est bon. Au moins, pour Léon Lely, which is nice. Ouais, bah écoute, tu choisis. Est-ce que tu veux un gameplay, j'ai envie de dire, reluisant? Ou des commentaires? Non, mais t'as raison, c'est ma faute, hein. C'est ma faute de pas lire les commentaires, hein. Je suis le seul fautif, mais je suis tellement concentré dans mon truc. Et j'ai pas envie, tu sais, de passer genre un quart d'heure comme ça, tu sais. Alors, ouais, j'avoue. Ouais, carrément, mec. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça me saoule, là, tu vois. Moi, il faut que ce soit, tu vois. Si c'est pas pendant au moins 5 minutes, c'est, tu vois. C'est Yadar. Oh non, Yadar, non, il fait ça, Yadar. C'est marrant, j'ai pas souvenir. Après, c'est un stream de jeu, pas une FAQ. C'est vrai aussi. Mais bon, attends, les gens, ils sont là quand même pour pouvoir parler. Ils sont pas là juste pour mater du gameplay, tu vois ce que je veux dire. Ce serait... Sinon, ils vont sur YouTube, hein. Voilà, donc s'il y a plus de communication, on est où, quoi? Les gens qui disent, ouais, les gens, ils parlent plus, de toute façon, on a oublié d'être des êtres humains. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis complètement d'accord. Et moi d'abord, j'ai oublié d'être un être humain, moi. Attends, il faut une photo de groupe avec des... Ouais, c'est ça, il faut une putain de photo de groupe. Hop, yes. Check ça, poteau, check ça. Putain, y'a un des mecs grands, là. Ok, go. Ok. Les streamers qui communiquent pas aussi, c'est casse-couille à mort. Ah, mais c'est insupportable. Je suis désolé. Tu vois, là, par exemple, je parlais pas parce que j'étais en train de vous lire. Tu vois mon dilemme, en fait, pour garder un bon rythme, et moi, j'aime bien avoir un bon rythme de commentaires dans mes streams, tu vois. Pour garder un bon rythme, je suis obligé de sacrifier un peu de lecture pour pouvoir continuer à être prolixe. Sinon, à chaque fois, je parle pas pendant 15 minutes le temps de parler, quoi, tu vois. Le temps de lire, je veux dire. Je suis tombé amoureux de cette musique, oh bon Dieu. Ah non, mais mec. Y a pas beaucoup d'OST qui méritent vraiment, vraiment autant d'attention que celle de Katamari, hein, vraiment. Même le jeu en lui-même, d'ailleurs. Hein, je sais pas pourquoi je parle juste d'OST, le jeu en lui-même, il est tellement fantastique, quoi. Allez, viens là. Sale...
non. Non, je dirais rien, tu sais quoi. Allez, avance. Avance, con de Katamari à la... Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Le dilemme du streamer découvert par Russian en l'an 2019. Allez, avance, trou de balle. Voilà. Regarde, moi, ça... Jouer tout en parlant, en lisant le chat, c'est tout un entraînement. Ah bah, écoute. Après, on fait ça depuis un moment, donc... pour nous, c'est plus vraiment impressionnant, mais c'est vrai que... Pour un débutant, je comprends, ouais. Non, mais oui, c'est très difficile. Mais c'est pour ça que la fonction tag existe, parce que tu vois, sur Prison Architect, j'avais demandé, ouais, comment on fait pour rajouter des noms au tolard, etc. Comment on fait pour customiser les tolards? Et apparemment, il y a des gens qui m'ont répondu, moi j'ai pas vu de réponse, mais il y a des gens qui m'ont répondu. Mais voilà, si jamais il y a vraiment quelque chose d'important à me dire, ou une réponse à une question que j'ai posée ou quoi, n'hésitez vraiment pas à me taguer, quoi. N'hésitez pas à taguer la Megaforge Live sur le chat, et... pas de problème, no problem, ni un problème. Il l'a dit deux fois, mais oui, mais c'est ça, tu vois. Mais le problème, c'est que bah écoute, ça a dû vraiment tomber dans les moments où je lisais pas, quoi. Ce qui est extrêmement triste, tu noteras. Évidemment, Poléon qui casse les couilles, et oui, ça va. Ok, go. Les tambours taïko, on peut. La petite grosse, on peut. Voilà, impeccable. Avant d'hier, j'étais avec ma mère dans la bagnole et il y avait une petite grosse sur le bord de la route qui marchait. Et elle était plus ou moins parfaitement sphérique. Et ma mère était tellement... Comment... Quelque part, tu sais, c'est un petit peu comme les trous noirs, en fait. La femme avait une... J'ai énormément de respect pour elle, cette femme, je la connais pas, mais... Elle avait un genre d'horizon des événements, en fait, qui empêchait la lumière de s'échapper de son gros cul. Et, et en fait, on était... tellement submergé par cette nana qu'on aurait dit un genre de flubber, tu vois, qui marchait sous le soleil et ça transpirait, ça, un peu comme un genre de bovin, tu vois, qu'on a failli se manger une camionnette avec ma mère. Je lui fais attention, une camionnette, oh mon dieu. Il fait ouais, mais je regardais la petite grosse. Je fais mais moi aussi. Et en fait, c'était même pas genre oh là-bas, regarde la petite grosse. C'était comme un accord, en fait. On a regardé la petite grosse en même temps. Sinon, si vous voulez dire un truc et être sûr d'être lu, faites des dons. Ah non, certainement pas, non. D'ailleurs, je lirai plus les dons dorénavant. Je connais des streamers qui font pas les alertes de dons, etc. Parce qu'ils veulent pas que ça parasite leur gameplay. Nous, on en est pas là quand même. Gameplay, on en a pas déjà, donc... C'est pour ça on comble un peu avec les dons et les alertes, tu vois, ça permet de lancer des blagues. Ok. Fais gaffe, tu te popolises, ouais, je sais. Mais en fait, je sais pas pourquoi, de temps en temps, j'ai du mal à lire. Pourtant, je suis plutôt un bon lecteur. Mais j'ai un problème, j'ai du mal à lire longtemps. Alors, je parle pas genre en stream ou autre comme ça. Mais genre les bouquins. Quand je lis un bouquin, au bout de 10-15 pages, je me dis, ah bah tiens, merci Hoffman. Ça va, ouais, moi aussi, je te demande, connard. Connard pour 1€ quand même, mais connard. Merci beaucoup, man. Mais ouais, au bout de ouais, une vingtaine de pages, 15-20 pages, je me dis putain, c'est incroyable ce truc que j'ai vu il y a 2 semaines, tu vois, et j'oublie complètement ce que j'ai lu juste avant, alors il faut que je revienne avant, et en fait ça me gonfle. Et je suis un très mauvais lecteur pour ça, j'ai acheté un bouquin, enfin le bouquin de la série Annihilation il y a de ça des mois, je l'ai toujours pas réouvert, j'ai aucune attention quoi, tu vois, j'ai vraiment aucune attention, je pense que j'ai été gâté par la technologie, et des choses aussi simples et frivoles que les livres, je peux plus, tu vois. C'est triste quand même, hein. T'es pas encore assez vieux, ouais, c'est ça, je crois. Hein. T'as même pas fini Drus, ça fait 2 ans que je suis... Mais oui, non, mais c'est pareil. Drus, mais c'est pareil pour Conan, c'est pareil pour certains bouquins de Lovecraft et tout. J'adore, hein. Mais j'ai pas assez d'attention. Je dois avoir un genre d'ADHD, enfin, un trouble, un déficit de l'attention très léger, tu vois, mais j'ai du mal. La même attention que Paco, c'est ça. Après, si tu mets un petit bout de viande dans le bouquin... Là, je dis pas. Là, j'aurais toute l'attention du monde, y a pas de problème. Hein. Mais c'est pas fourni avec. Donc, pourquoi ça repose bien. Pourtant, ça repose bien les yeux, les bouquins. Oui, j'ai pas besoin de reposer les. Enfin, j'ai pas mal aux yeux, moi. Hein. Moi, je me repose les yeux avec une bonne petite partie de Black sur PS2, tu vois.
J'en ai combien? J'ai 167 gonzesses là, c'est pas énorme. Je sais pas si ça va m'être reproché de pas avoir beaucoup de gonzesses. Voilà, hop, attends, je vais ramasser celle-là, voilà. Bon, j'en ai trouvé pas mal là, normalement on est bien. Ah, il y a encore les petites statues sur le pont là. Non, ça a l'air plutôt bon, ça a l'air plutôt bon. Les bouquins, à part si t'es en bagnole, c'est impossible de se concentrer. Mais je sais pas, au pieu ça va, tu vois. Non, mieux qu'au pieu. Quand tu fais caca, y a pas de problème de lire un bouquin. Ça dérange pas du tout, tu vois. Mais en bagnole, moi ça me donne envie de bégère. En train, ça va. En avion, j'ai jamais fait d'avion, je sais pas comment ça fait. Ouais, non, franchement, voilà. Voilà les bons bails, ouais, en faisant caca, ça va. J'ai acheté qu'une fois un livre et c'était un bouquin de Laurent Baffy. Tu sais quoi, Nitrocuit ? C'est le truc le plus la méga forge que j'ai lu cette semaine et on est que lundi, tu vois. On sent les jeunes filles partout, ça remplit l'espace cosmique. Bien entendu, il y en a 173, merveilleux. Ça va être le ciel bien plus joli, nanana. Bon, ça va. Apparemment, il a l'air relativement content de mon score. Le roi de tout le cosmos. Impeccable. Tiens, Lapounz. Ha, Kanjiru. Kozumo Kanjiru wa. Shindeiru. Crépite réalité. N'importe quel endroit, pas de problème de lecture sauf en bagnole. Je sais vraiment pas comment font les gens. Le pire, je crois que le truc qui m'impressionne le plus, c'est de voir des gens marcher. À toute berzingue, comme on dit dans le bouchonnois, marcher en lisant. Les mecs, ils marchent en lisant. Mais moi, je suis estomaqué, quoi. Je trouve ça tellement unique. C'est ouf, quoi. En plus, les gens, ils marchent vite. Genre, tu sais, les gens qui marchent, en plus, c'est tout le temps des meufs un peu in, tu vois, qui... Elles marchent vite comme ça, là. Et puis, elles lisent, tranquille, et elles arrivent à éviter les gens, à pas marcher dans la merde et tout, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Un cadeau royal pour les cousins de champions de l'espace que nous pensions nous allons faire tomber sur Terre. Nous avons un autre. D'accord. Il nous dit juste qu'il y a un cadeau dans la prochaine map, quoi. D'accord, pas de problème. No problem. C'est chaud de marcher en lisant, mais j'aimerais bien pouvoir. Bah ouais, mine de rien. L'autre fois, j'ai vu une meuf lire debout dans le bus. Déjà, si je peux pas me tenir dans un bus ou un transport, je pense que je décède. Il y a vraiment moyen que je meure, tu vois. Oh la vache. Wouah. Petite poule. Ouais. Petite poule, ah non, elle est trop grosse. Ah ouais, la poule est trop grosse. Impeccable. Quelque chose arrive, oui c'est rien, c'est une poule. Ah, je crois que cette chanson est géniale aussi, c'est un japonais qui scat. Voilà. Vous inquiétez pas, on va vous sortir un album de blues et de jazz et de scatman. La, une fois que j'aurai sorti les 10 autres albums que je vous ai promis, vous inquiétez pas. Ça va être... Pourquoi je veux pas choper les ananas, là? Venez, les ananas, voilà. Et j'aime bien ce chanteur-là, parce qu'on dirait qu'il parle bien anglais, mais il a des tout petits trucs qui font que c'est cramé qu'il est japonais, en fait. Sa façon de prononcer les L, déjà, elle est très subtile. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il est japonais. Je sais pas qui c'est le mec. J'ai pas été vérifié, ça se trouve il est anglais. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il est japonais. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas fan de toute l'OST de Katamari. De celle de Katamari Damacy, je crois que je suis fan de toutes les chansons. Il y en a qui sont étranges, mais je trouve qu'elles sont vraiment toutes bien. Ah, voilà, j'ai commencé à choper la poule. Putain, j'ai chopé la koum-koum. Il veut que je fasse 30 mètres. Ok, d'accord. Et là, on est à 1 mètre. Bon, bah écoute. Plus que 30 fois ça et on est loupé, les mecs. On peut prendre le petit pingouin. Enfin, c'est pas un pingouin, ça, c'est un petit manchot, je crois. Je connais pas bien la différence, mais je crois que j'ai raison. Non. Putain, je suis en train de me désintégrer. Non. Ah. Ok. Prends les bottes. Le bruit des bottes. C'est encore un petit manchot. Doudoudou. Les personnes qui lisent en conduisant, ça existe ça, des gens qui lisent en conduisant? Enfin, à part des SMS. Mais tu sais,
Ça a jamais tué personne de lire des SMS en lisant, hein. En roulant, je veux dire. Oh, les petits chiens. Non, ça a jamais tué personne de lire en conduisant, et il faut juste éviter les trucs qui arrivent en face. Mais sinon, tu risques rien, hein. Ceux qui font ça, ils méritent la prison. Mais ils ont qu'à bien conduire à côté, franchement. Si tu conduis bien et que tu lis en conduisant, franchement, tu devrais pouvoir. Tu devrais pouvoir. Mais faut juste t'assurer derrière. Écoute, c'est pas de la faute aux gens, si c'est difficile aussi, hein. Mais bon, si t'es pas sûr de tes capacités, bah tu le fais pas, tu vois. Bon, mon père, il lisait en tenant le volant avec son genou et en lisant une carte. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de papas qui font ça. Moi personnellement, j'ai toujours trouvé ça absolument terrifiant. j'ai toujours pensé que j'allais mourir très très vite s'il continuait comme ça. Et ça pouvait durer longtemps. Je me souviens, sur certains trajets, pendant une bonne partie, il avait la carte sur le volant devant lui et il tournait avec le genou. Ça, c'est des techniques avancées de d'éducation que moi j'ai pas, tu vois. Tenir le volant avec les genoux, je le fais les rares fois où je conduis. Ah oui. Donc le mec, déjà, il conduit rarement, et en plus, quand il conduit, c'est pour conduire avec le genou. C'est vraiment le mec, il a pas envie de vivre. Il est fatigué. Il est fatigué de la vie. Et je comprends, regardez le petit ours. Attends, il y a un petit ours, regarde. Putain. Non, attends. Un petit ours. Honey. Ça veut dire miel. Voilà. Tac. Je pense qu'il va falloir que je me barre d'ici et que je commence à aller sur la plage, parce que je commence à tomber à court d'objets que je peux ramasser à ma taille. Putain, en plus, je suis en train de me... Voilà. Remarque, je suis pas mal, là. Attends, si je peux prendre ça... Ouais. Ah, si, je peux peut-être rester encore là un peu, hein. J'ai chopé un gamin. Dans Katamari aussi. Hop là. Voilà, regarde, 2m5, normalement, je peux commencer à prendre les gens. Tac, dans tes échasses, là. Ah putain, elle s'est planquée, la salope. Le petit binou. Non, peut-être, je peux pas le petit binou. Elle s'est barrée. Lui, là-bas, là. C'est quoi, c'est une vache? Je peux pas prendre la vache. Lui non plus, bah merde. Je suis juste pas assez grand, j'ai l'impression, en fait. Tenir le volant avec mes mains, ça me fatigue. Elle est chaud, hein. Franchement... Il y a la faiblesse. Et il y a tenir un volant, ça me fatigue, quoi. C'est vraiment... T'es sûr que ça va, toi, mec? T'es sûr que ça va? T'es anémique ou quoi? Attends. Voilà. Je galère. Je suis en galère. C'est la galère. Voilà. Petit binou. Le petit binou avec moi. C'est bon. Impeccable. Attends. Hop. On switch. Oh là là, c'est le bordel. Voilà. Là je pense qu'il faut que je sorte. Là, j'ai perdu trop de temps ici à tourner en rond. Je peux pas encore, parce qu'il compte que pour un mec qui est très très grand. Il y a que comme ça qu'ils dépassent. Il y a que comme ça qu'ils peuvent aller dans les parcs d'attractions, les Japonais, en fait. Vous devez être grand comme ça pour prendre le manège. Extrêmement raciste. Hop là, ça je peux prendre. Ah, je peux le prendre aussi, ça c'est impeccable. Tac, les petits péchous. Petits péchous. Les bateaux je peux aussi. Oh, c'est bien, ça va nous faire gagner énormément de temps, ça. Je n'ai pas fini. Voilà, regarde-moi ça. Ça, les bateaux, c'est bien, ça. Enfin, je veux dire, c'est bien, j'en sais rien. J'ai fait un peu de bateau quand j'étais gamin. Mais au-delà de ça, avec des optimistes, c'est ça? D'ailleurs, j'ai toujours trouvé que c'était dégueulasse comme nom, les optimistes. C'est genre, ah ouais, tu vas quand même faire du bateau avec ça? Bah, et on. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ouais, t'as pas peur de la mort, toi, t'es optimiste. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai toujours trouvé ça super dégradant quand t'es un gamin et qu'on te laisse pas conduire un yacht, tu vois, et qu'on dit, tiens, prends l'optimiste. Pour tous ceux qui ont peur, je rappelle que je prends la voiture très très rarement, genre j'ai pas... Mais t'es pas obligé de te justifier, Hoffman, hein. Surtout avec un don. Merci, hein, mais t'es vraiment pas obligé, hein. J'ai pas conduit depuis un an et je connais pas où est la pédale d'accélérateur. D'accord, donc ça va, parce que quand il conduit, il accélère pas. Donc ça, c'est plutôt positif pour les autres. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à prendre la voiture. Et aucun mal ne sera fait à vous, ou alors votre famille, ou vos enfants. D'accord, donc pas de problème. Ouais, et du coup, ça gêne pas, Hoffman, quand tu conduis, de pas savoir où est la pédale d'accélération? Remarque, toi, ta pédale d'accélération, c'est ton petit joystick sur ton fauteuil, non?
C'est celle à l'extrême droite, Hoffman, évidemment. Et voilà, bravo. Bravo, la... attention la méga forge. Hein. Commencez à vous politiser ça. Hein. Pas bon ça. Hein. Ça commence par ça, et puis ensuite ça va liker des posts de Alain Soral. Hein. Je vous connais les mecs. Je peux monter par là ou quoi? La petite échelle. Stéphane. Stéphane échelle. Non, putain, mais casse-toi avec ton pick-up. Bon, tant pis. Allez, contre le vent, vous irez en avant et lui faire se pousser en arrière. Putain, mais heureusement qu'on a les tactiques belges parce que je sais pas comment on ferait. Hein. Voilà, regarde ça, on va tous les engloutir là, tous autant qu'ils sont. Oh, il y a un petit gros là-bas. Yes, est-ce que je peux me prendre là? Je sais pas si je les ai pris ou pas. Si, c'est bon. Ah, yes. Le catamaran fait une fois la taille de ceci. Socle d'horloge. Une fois? Voyons. 3 mètres? Attends, socle. C'est quoi un socle d'horloge? Ah, mais oui, c'est carrément une tour en fait, une tour horloge, d'accord. J'arrive pour entendre liker des posts d'Alain Soral, j'ai déjà appelé le CRIF. Coucou, cela dit. Coucou, Drektan, ça, mec. Quoi de feneux à shipper, à choper? D'ailleurs, petit test, il y a combien de gens là sur le chat qui s'appelle Nicolas? C'est pour un petit test. Vous inquiétez pas, aucun mal ne vous sera fait, hein. Madness. Non, ça s'appellera pas les Niga. Non, jamais. C'est mort. C'est mort. On trouvera un autre nom, d'accord? Le Barge Clan 2, on va l'appeler, d'accord? Là, c'est beaucoup plus classe, beaucoup plus solennel. Suranné, même, je dirais. Voilà, PKL. Il reste 12 minutes. On est très très loin de faire les 30 mètres. Parce que je m'y prends un peu comme un pied, là, mais... Si je peux monter là, ce serait peut-être pas mal, attends. Comme ça? Non. Non, il va falloir que je remonte dans l'école. Moi, je vais créer mon clan aussi si c'est comme ça. Ouais, mais tu vas être tout seul, Christophe. J'ai pas envie de faire... Ah si, remarque, non, il y aura teaching avec toi, je crois, non? Il me semble, si je me cours pas... Par contre, il va falloir que tu rentres un jour. Voilà, il va falloir que tu rentres, Katamari? Voilà. Ok. Bon, vous allez être deux, quoi. Bah, c'est mal, hein. Sauf que les Nicolas, nous, on est tellement que... Enfin, on va vous pulvériser, quoi. Je prends aussi les Christian et les Christian. Ah non, t'as pas le droit. Sinon, moi, je prends les Nick, les Nicole, les... Et puis c'est, j'ai aussi les Nikos, Nikos Aliagas. Et là, si on a un grec, déjà, t'es niqué, hein, si je peux dire. Ok. Est-ce que je peux prendre la bagnole? Oui, je peux prendre les bagnoles. Ok, ça va accélérer, du coup. Normalement, ça devrait prendre de l'ampleur assez vite. Depuis la cuisine, je t'ai entendu dire « Aucun mal ne vous sera fait », je me demandais ce que tu foutais. Ouais, je commence, Cad. Je commence ce qu'on a dit. je suis en train de faire des clins d'œil, mais vous voyez pas, du coup. Comme un con, j'ai fait « mais ça n'a aucun sens, en fait. Je fais de l'humour graphique sans graphique, moi. C'est ça, ma force, en fait. J'ai pas peur des candidats. Ah, mais calme-toi avec Christophe de Chavannes. J'aimerais bien qu'il y ait une Nicole sur LMF. Bah, si tu veux, après, je peux changer de sexe, mais ça fait chier, quoi. Je l'aimais bien. De l'humour déstructuré, c'est lacanien, ça. On est d'accord, tu parles d'épuration ethnique. Non. Non, on va arrêter avec les blagues de mauvais goût, quand même, non? Allez, non, on continue. Allez, go. Eh, vous savez que les nazis... vous savez comment il était grand, Hitler? À peu près comme ça. Nicole, c'est un nom de connasse. Kidman. Zellweger, elle s'appelle pas Nicole aussi? Ouais. Nicole Kidman a une sacrée tête de connasse, en tout cas. Ça j'admets. C'est n'importe quoi, il y a tout le monde qui klaxonne en même temps, je sais pas pourquoi. Ok, ça, on est bien. On peut commencer peut-être à prendre les maisons là, non? Non, pas encore. Normalement, ça devrait vraiment pas tarder, par contre. Ah bah voilà, regarde. Pekeb, on peut prendre les petites baraques. Pas tout, ah oui, quand même, pas toutes du tout, même. Je peux prendre le Daruma, là? Non, je peux pas encore. On va pouvoir revenir ici, histoire de reprendre notre vengeance sur tous ceux qui nous ont fait du mal. J'ai envie de dire. Un peu comme un certain bowling dans une certaine ville américaine. Ok. Là, on est bien. Voilà. Arbre normal. Le fait qu'on vient de ramasser un arbre normal.
très différents des arbres anormaux, aussi appelés arbres spéciaux. Ils ont une éducation adaptée, ils arrêtent pas de se toucher le pistil en, en public, ils bavent. Baba Yama, doudoudoudou, baba Bdebs, bibibab. Puis ceux qui conduisent avec les genoux, ils conduisent bien. Est-ce que tu peux monter par contre? Est-ce que tu peux monter Katamari? Tant pis, bon, tant pis. Mais on peut prendre d'autres arbres, et ça c'est bien, ça nous fait augmenter assez rapidement à 21 mètres, et il nous reste 8 minutes. Franchement, on est large. Enfin, on est large d'ailleurs d'exactement 21 mètres, tu noteras. Voilà, regarde. On peut prendre ça. Ah, et puis j'ai trouvé le cadeau en plus. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Est-ce que je peux monter encore un petit peu? Il y a quoi en haut là? Attends, ça me grince les... Ah, ah, ça pique. Ok. Tu peux pas choper la mer d'un coup? Dis donc, Nick-Nick. Faut se calmer, non? Qu'est-ce qui t'arrive, Nick-Nick? Oh, il a un petit coup de chaud, Nick-Nick, là. Il a envie de choper des mers. Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux monter? Peut-être mon tir, peut-être mon tir. Bon, tant pis, je peux pas tout à fait maintenant. Ah, il y a le... Il y a B44 qui est en train de streamer World War Z. Si jamais vous avez envie de voir un petit peu de gameplay, si je vous intéresse pas, si vous me détestez, vous pouvez aller voir B44 jouer à World War Z, même si on va y jouer nous samedi entre copains, voilà, je comprendrai, tu vois. Normalement, qui on est, nous, quoi. Est-ce qu'on est vraiment si important que ça? Est-ce qu'on mérite vraiment? Je pense pas, donc... Allez-y, partez, quoi. Même si on va y jouer mieux que lui. Avec nos bases de Left 4 Dead. J'ai même plus envie de dire des bases de Left 4 Dead, j'ai envie d'appeler ça de l'expertise. Left 4 Dead. On pourrait être consultant en Left 4 Dead, tellement on avait des tactiques avancées. Comme par exemple appuyer sur Z et cliquer plein de fois sur la touche gauche de la souris. Non, pas de trahison, moi je reste. Ah, c'est bien, Zouzou. Tu vas devenir... Je vais te faire rentrer dans le politburo. Tu vas devenir camarade commissaire Xuxu. Alors, donc ça, là, on peut pas monter, mais peut-être qu'on peut monter par là. J'aimerais bien pouvoir monter dans cette ville. Ça nous ferait... comment grandir assez rapidement. Allez, go. Yes, impeccable. Là, c'est bien. Oh, yes. Et voilà, 30 mètres. C'est fait. Et on a encore un peu de temps pour se faire grandir le catamari, j'ai envie de dire. Voilà, regarde. Tiens-moi le catamari. Joue avec ton catamari deux fois, ça va, mais joue avec ton catamari trois fois, t'es en train de... Voilà. Tu me fais grandir le catamari. Voilà. Regarde-moi ça, regarde-moi la terreur que j'inflige à ces japonais. Mine de rien, est-ce que c'est pas impressionnant? Est-ce qu'il assure pas? Hop, on va prendre le Golden Gate Bridge, là. Il a beau être impressionnant, World War Z, je reste aussi. On a fait deux campagnes. Enfin, deux chapitres, comment on dit, deux histoires, je sais pas comment on dit, avec Spider. Et c'est vrai que bah, c'est super impressionnant quand la horde attaque, c'est vraiment... ça en fout plein la gueule, quoi. Et ouais, on était plus ou moins sur le cul. Après, on a quand même trouvé que les armes manquaient de punch. Genre, elles sont vraiment faiblardes. On dirait que tu tires uniquement avec des petits poids, mais ça se fait. Franchement, ça se fait. Je sais pas ce qu'il y a été, mais j'aime bien faire ça. Ouah, voir ce qui a été reproché, ce sont les sensations de tir et les classes qui importent peu en gameplay. C'est vrai aussi, ouais. Les classes ont pas assez de gros bonus. Ils devraient y aller vraiment franco, tu vois. Là, ils sont déjà allés assez fort avec le principe de Horde où tu lattes 1000 zombies par chapitre, non pas par épisode, mais par chapitre. Franchement, ils devraient faire des perks qui sont vraiment, vraiment, vraiment destructeurs, quoi. Plutôt que juste, ah, tu as 5% de déclencher mon cul sur la commode, quoi. On s'en fout, tu vois, on s'en bat les couilles. Moi, file-moi du nucléaire, file-moi du Fukushima, merde. Tu crois que y aller franco, ça vient du dictateur? Certainement. Quelqu'un de LMF va faire du MK11. Bah Yadar, je crois qu'il va y jouer, mais il me semble que c'est Spider qui a envie de streamer le mode histoire, non? Non, des petits dinosaures! Allez, rentre! Yeah! Des créatures mystérieuses, mon gars. Voilà, regarde, hop.
Tout ça, c'est moi. On est à 51 mètres, c'est pas trop mal. It is not too, too man. Oh, oh, Ultraman, Ultraman, prends Ultraman, prends Ultraman. Je peux? Non, je peux pas, ok. Pas pour l'instant. Donc ça, on peut prendre aussi. Oh là là, on commence à être bien bien, là. Enfin, on commence. Non, on finit d'être bien bien, parce qu'on a déjà réussi la mission, mais tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment, c'est partie satisfaction personnelle, quoi. Et pour profiter un peu de la musique aussi, j'avoue. Ça en fait partie, quoi. Petite maison. Petite maison. En vrai, tu vois, la caméra, j'y pensais à ça la dernière fois. Mais la caméra, tu vois, dézoome pas mal quand t'as un énorme katamari comme ça. Mais je me dis, si tu avais possibilité de voir ton katamari là actuel, là, celui qui fait 50 mètres, mais avec les yeux de ton personnage de quand tu commences, genre tu fais 20 cm, 10 cm, je pense que ça va être vraiment terrifiant de voir un truc gigantesque rouler aussi vite et absorber tout. Ça doit être vraiment, vraiment flippant, non? Voir si c'est possible avec un genre de caméra hack ou un truc comme ça, mais... Moi, ça me fait flipper, voilà, flipper. Surtout que j'aime pas trop les formes géométriques trop grandes comme ça, donc... Je sais pas si, je crois que j'en ai déjà parlé, ouais, de cette phobie complètement débile que j'ai, donc je vais pas en reparler. Impeccable. Comme quand tu t'es assis devant ma tête sur le canapé chez Nick Nick. Je me suis... Ah, qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est pas débile comme phobie. Poto, j'ai peur des grandes roues. Ah, merde! Mais j'avais trouvé une image la dernière fois qui résumait très très bien. Est-ce que je l'ai encore? Attends, attends, il faut que je vous montre, parce que je pense que c'est assez intéressant. J'avais envoyé ça à Momo. Voilà, cette photo-là. Attends, j'en ai envoyé quelques-unes, je crois. Ouais, celle-là aussi, je vais l'envoyer pour vous la montrer. Vous inquiétez pas, hein, c'est normal. C'est tout à fait normal, je ne joue plus. J'ai arrêté d'ailleurs de streamer, donc c'est normal. Voilà. Ces trois photos-là, là, mon gars. Elles ont tendance à déclencher chez moi un genre de chiasse irrépressible. Regarde, la première qui m'a fait... En fait, cette photo-là, j'ai du mal à la regarder plus de quelques secondes. Genre, c'est trop grand, c'est trop rond, sphérique, il n'y a pas assez de détails dessus, j'ai l'impression que c'est pas normal. Et je crois que mon cerveau primitif arrive pas à traduire ce qu'il voit, quoi. Il y a un autre truc qui me fait flipper, c'est ça, dans la BD... Oula, bouillon. Dans la BD, attends, mais oui, mais t'es super grand. Attends, CTRL-F, pip. Merde, j'ai fait quoi, CTRL-F? C'est pas le bon truc. Voilà. Ça, là. Donc dans la BD Aldébaran, non, enfin c'est quoi, non? Si, c'est ça, c'est dans le cycle Aldébaran. C'est une BD française, je crois d'ailleurs. Oui, je crois que c'est français. Et il y a plein de bestioles dans cette série de BD là qui sont immenses, mais un truc de fou. Elles sont comment on peut dire, pures, tu sais, elles sont toutes lisses et elles sont gigantesques. Et des fois t'as des doubles pages entières avec des bestioles comme ça. Et mon gars, mais ça me fait me chier dessus. Oh, laisse tomber. Et, mais oui, par contre, les BD sont super. Moi, j'avais pas mal lu Betelgeuse, plus qu'Aldébaran, mais ouais, c'était génial. Et un autre truc, voilà, que je peux vraiment pas regarder, c'est ça, là. C'est la même phobie que ça, hein, que la grosse boule. Sauf que là, c'est un gros trou. Limite, on pourrait faire pouf, comme ça, mais ça marche pas comme ça. Et ah, putain, ça me met pas bien. Ça me met vraiment pas bien du tout. Et voilà. C'est ma petite phobie. Et je dirais même plus que c'est plus que mon arachnophobie, hein. J'ai bien plus peur de ça que des araignées, hein. Vas-y, je vais me transformer en tout ça. En gros trou avec une boule et un truc qui nage. Eh ben. Non, c'est même pas des trous dans l'eau. C'est même pas que le fait que ce soit un trou dans l'eau, en fait. C'est que ce soit un genre de truc géométrique tout lisse comme ça et... Je sais pas ce qui va pas. Franchement, je sais pas ce qui va pas. En vrai. Je sais pas ce qui va pas avec moi, quoi. Mais ouais, ah, j'aime pas ça. Hein. Ah, et puis, ouais, les araignées, tu vois, enfin, j'aime pas, mais bon, ça se fait, tu vois, ça me fait pas déclencher de crise de panique, mais là, devant le trou d'eau, l'espèce de grosse boule blanche, là, mais mec, j'ai le pouls qui s'accélère et tout, hein, non, mais... c'est grave, quand même, hein. C'est grave. Bon, après, ça va, c'est pas trop dérangeant, mais parce qu'il y a pas vraiment de trucs, construction gigantesque pour l'instant. Après, une phobie, ça s'explique pas non plus. Bah non, mais il y a des gens qui arrivent quand même à pinpoint relativement précisément ce qui leur fait peur, tu vois. Il y a des gens, ils ont peur, bah toi par exemple,
T'as peur dans les jeux. Non, pas toi, merci. Vous avez la même couleur avec Skadur et quasiment le même nombre de caractères, du coup je confonds. Mais tu vois, Skadur par exemple, il a peur dans les jeux vidéo d'être coincé dans un tunnel sous la flotte. Ça c'est extrêmement spécifique, mais ça s'explique, tu vois. Mais ça a peur des gros trucs. J'ai aucune idée. Aucune idée pourquoi. Oui, je saurais même pas. J'avais vu la page de la mégalomanie et de la mégalophobie, je veux dire. Je suis pas mégalomane, je suis mégalophobe. Je suis un peu mégalomane, mais qui n'est pas mégalomane à un certain niveau, on est tous mégalomanes. Ouais, j'avais lu un petit peu la page de la mégalophobie et je trouvais que c'était relativement plausible. Mais moi, c'est quand t'es hors du jeu. Ouais, oui, le Out of Bounds. Poons aussi, c'est super précis. Elle a la phobie du Out of Bounds de jeux vidéo. Donc si tu tombes hors la map, eh ben ça la terrifie. Et genre, c'était un peu pareil pour quand je jouais à Prison Architect et qu'on voyait, je crois, les bords de la map gris là. Il me semble que Poons n'était pas super à l'aise et je pense que c'est à cause de ça aussi, non? Arrête-moi si je me trompe, mais. Mais ouais, c'est ça, tu vois, je peux comprendre aussi, tu vois, c'est le même genre de flippasse un peu incohérente. Enfin, pas incohérente, mais. Est-ce que je peux regarder d'ailleurs sur Google? Bouge pas. Si je tape mégalo phobia. Est-ce qu'il y a des trucs qui... ouais, non mais ouais. Ouais, non mais c'est clairement ça, ouais. Oh putain. Vous voulez que je vous montre des photos encore ou quoi? De ma photo... Ah. Ouah, 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 ouah. Ça me dérange pas trop. Attends, je vais vous montrer des exemples et des contre-exemples. Voilà, par exemple, ça c'est pas mal aussi comme contre-exemple. Hop. Donc, contre-exemple, on va commencer déjà par les trucs qui font pas peur. Ça là, ça me fait pas peur. Je suis même plutôt fasciné, je trouve ça complètement stylé. C'est un illustrateur qui est plutôt connu en plus. Et ça me fait pas peur, tu vois. Il y a pas de problème. Par contre, ça, c'est un gros bateau, hein. C'est un gros bateau. On voit le petit bonhomme en dessous là. Pip, 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 tu vois. Mais ça. Je... Ouh. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Et ça aussi. Ça, j'aime pas non plus. Un gros, gros barrage vu de dessus, en plus, comme ça, là. Je sais pas si c'est la vue ou quoi, mais... non, 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 non. Est-ce qu'il y a d'autres photos, là, vite fait, qui pourraient être intéressantes? Ça, c'est pas mal, aussi. Si vous tapez mégalophobia sur Google, vous avez vraiment de très, très beaux exemples, de très, très belles photos. Ouais, mais tout fait pas flipper, en fait. J'ai l'impression que, vraiment, moi, ça m'atteint quand c'est super géométrique, que les formes sont très nettes, que les formes sont très... Tu vois ce que je veux dire? Genre là, c'est un arc parfait, ce qu'on a vu juste avant, là. Merde, attends, c'était quoi? Merde. Fuck. Ça, c'est pareil, c'est limite vectoriel, hein, tu vois? Et je sais pas, j'ai un problème peut-être avec la géométrie, la grande géométrie, je sais même pas comment l'expliquer, quoi. Un genre de mégalophobie, mais spécifique, quoi. Ouais. Non, il y a des photos sympas sur mégalophobia, ouais, de quand tu tapes ça sur Google. Donc allez voir si jamais vous êtes intéressé. Mais genre le brutalisme, tu kiffes. Mais oui, mais je saurais pas l'expliquer non plus, en fait. Moi, j'ai peur, pas du vertige, mais de me dire que le truc sur quoi je suis peut lâcher et je tombe. Je sais pas si tu vois la nuance. T'as peur de mourir, en fait. Parce que ça va, c'est relativement commun. D'ailleurs, en parlant de brutalisme, il y avait un truc que j'avais passé à Momo aussi. Tu vois, c'est cette image-là. Je suis désolé, hein, je perds un peu de temps, mais écoute, c'est pack, donc on fait ce qu'on peut. Cette image-là, je la trouve sublimissime. Elle est gigantesque, c'est du brutalisme gigantique, tu vois, je sais pas si ça existe. Mais je trouve ça vraiment sublime, mais ça me fait pas flipper. Et je crois que au-delà que ce soit uniquement géométrique, moi, ce dont je parle, ma peur, il faut que ce soit aussi... sphérique, genre courbé, tu vois, comme Julien, dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu, ça c'est pareil, tu vois, regarde, ça c'est une porte gigantesque, là on dirait qu'elle est petite, mais en fait tu vois les gens ils sont tout petits en bas, là on les voit, là si je zoome un peu on voit des tout petits gens qui se baladent, et là la porte est gigantesque. Ça, je trouve ça vraiment super stylé, mais oui, dès que c'est rond, par contre, et je pense que ça vient quand j'étais gamin. Il y avait un livre, tu sais, comment on appelle ça, le Guinness Book, tu vois. Oui, j'avais le Guinness Book, mais genre 98, une connerie, tu vois. Et à un moment, sur une double page, il y avait un des plus grands planeurs du monde
Donc c'est juste un avion à moitié courbé comme ça, sur une double page entière sans texte et juste sur le bleu du ciel. Un truc méga grand, mec. Et quand je l'ai vu, je me souviens quand j'étais gamin et que je l'ai vu, j'ai commencé à vraiment paniquer de ouf. Et juste après, il y avait une image d'un mec dans ses deux grandes mains, là, pareil en double page, qui tenait une opale. Une des plus grosses opales du monde. Et c'est pareil, le fait qu'il ait un truc qui ressemble à l'univers comme ça dans ses mains, ça me faisait me chier dessus. J'ai aucune idée pourquoi. Vraiment aucune idée pourquoi. Bon bah voilà, on a fait 57 mètres, c'est pas mal. Dans le Guinness Book des records 2006. Non, mec, je crois que c'était 92, 93. C'était pas 2000, parce que j'étais vraiment, vraiment tout petit quand je matais ça. Hein. Vraiment tout petit. Le mec sans pression, il y a plus de lune. Ah bon, on annule, on rentre à la maison. Heureusement, je suis pas grande et grosse parce que putain, on serait dans la merde. Oui, mais pour me faire flipper, faut vraiment être à un niveau lunaire. En fait. donc ça va, tu vois. Et voilà, faire la lune et faire l'étoile polaire. Donc, il nous en reste deux. Ça, c'est les deux derniers. Ça, je sais, I know for a fact que c'est les deux derniers. Donc, on va faire l'étoile polaire. Parce que la lune, je crois que c'est tout dernier. Bon, bah, on va tous crever à cause des marées. On rentre. Ah, mais ils ont pas peur, les Japs. Attends, bouge pas. Je remplace ma mousse. Comme Superbus. C'est parce que le cadre royal n'est pas là, non, c'était pas ça. Oh, c'est ça, nous avons compris. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de nombril, il n'y a rien de solide dans le cul. C'est pour ça que c'est instable, déséquilibré, indigne et absurde. Oh, nous nous souvenons maintenant, c'est l'étoile polaire. The North Star. Faut longtemps que je peux mater de Octonoken, tiens. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que ça fasse exactement 10 mètres. Plus ça s'approche de 10 mètres, plus l'étoile polaire brillera. Mais il y a un truc, ou peut-être deux. Déjà, personne ne connaît la taille du catamaran, mais nous allons nous montrer à quoi ressemble 10 mètres. Ok. Faut qu'on fasse 10 mètres pile. Ok, alors 10 mètres pile. On fait combien déjà? Là, on doit faire... Faut voir à côté de quelqu'un, là. 2,50 m? Non? Un truc comme ça? Bah tiens, viens avec moi, toi. Je pense qu'on doit faire un truc comme 2,50 m. Est-ce qu'il y a des gens ici qu'on ne compte pas dans l'œil? Putain, mon frère. S'il y avait mon frère là, on serait tranquille. Lui, là, il a deux compas dans les yeux. Presque 4 mètres. Mais non! Regarde la maison à côté! Non, on fait un peu plus de 2 mètres, 2,50 m là! Non, faut pas 4 mètres. C'est vraiment très très grand 4 mètres dans Katamari, mec. Hein. 3,50 m, je dis. Pour Léo, il fait des paris. Je dirais 3 mètres. J'aurais dit 3 mètres. De toute façon, allez, on va essayer d'avancer. Alors, il faut qu'on fasse 10 mètres pile. C'est des missions qui sont très très dures, ça. Bip bip bip. Voilà. Petit mouton. Pounce, fais la chèvre. Enfin, fais le mouton. C'est pareil, la chèvre et le mouton, ça fait le même cri. On est d'accord. Est-ce que la chèvre, elle est belle aussi ou pas d'ailleurs? Le mouton, il est belle, je crois, non? C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Après, j'ai pas spécialement le compas dans l'urètre, tu m'étonnes. Je sais pas ce que tu rates. La dernière fois, j'ai vu une vidéo de mecs qui se foutent des sondes dans la bite. Et ben, je sais pas ce qui pousse des gens à faire ça, tu vois. Ah. Mais faut pas que je parle de ça. Je suis désolé tout le monde. C'est lesquels les moutons avec les cornes déjà? Des béliers, scolaire? C'est lesquels les moutons avec les cornes? Adorable. Mec, c'est adorable. Ok, je vais prendre le petit nounours là-bas. Avec... Voilà. On en est où, tu penses, là? Faut pas 10 mètres, non, on est loin de faire 10 mètres, là. On est très très loin de faire 10 mètres. Voilà, impeccable. Les boucs! Tu parles des boucs scolaires? Si c'est pas des béliers dont tu parlais? Là, je dirais 5 mètres 5. Déjà, tu penses Wapfal? Voilà les boucs! Ok, d'accord. Ouais. Est-ce que t'habites en région parisienne scolaire? Je prends un peu mon temps du coup pour vous lire là parce qu'il n'y a pas de timing donc on est tranquille. Voilà. Tiens, lui il est niqué. Voilà, viens avec moi.
scolaire, il habite à Lyon. Ou un gros, hop, voilà. Non, là c'est pareil, on doit faire ouais, aux alentours de 5 mètres, je dirais aussi, ouais. Quoique, on fait peut-être déjà un peu plus. C'est vraiment difficile comme exercice, mine de rien. Oula, j'ai voulu parler, mais c'est pas sorti. Parce qu'en plus, la façon qu'ils ont de mesurer la taille du katamari, c'est un petit peu aléatoire, hasardeux même, je dirais. Tiens, attends, est-ce qu'on peut cheat la vie? Déjà, je vais prendre tout ça ici, là, voilà. Oh, il y a un éléphant caché ici, là. Attends, je suis en train de perdre tout le monde, là, non. Lyon, c'est à peu près la même chose niveau schlagerie. Ah, c'est Schlag City, quoi. Welcome to Schlag City. Y a pas de... Parce que normalement, tu sais, dans Katamari, il y a des barrières qui t'empêchent d'accéder à des endroits où tu serais trop petit. Et si je peux croiser une de ces barrières, ça me donnerait une bonne indication, mais à mon avis, ils les ont virées, tu vois. Est-ce que vous pensez que je fais 10 mètres, là, plus 7 mètres 5? Ah oui? Vous pensez, là? Ok, bah, tu sais quoi? Je vais vous écouter, les mecs. Pour une fois, je vais faire preuve d'écoute... Ouais, d'écoute. Là, t'es à 10 mètres, je pense. Tu penses là, déjà? Regarde, à côté de quelqu'un? Je sais pas, mec, hein. Ça paraît ok. Vous pensez là? Est-ce que tout le monde pense qu'on fait 10 mètres, là? Je vais prendre encore quelques personnes, voilà. Vous pensez... Alors, comparez à cette bagnole. Bagnole. Go? Vous dites go? Ouais, t'es bon? Go? Eh bah, go. Est-ce la bonne taille? Oui. Nous sommes pas certains, nous ne sommes pas sûrs du tout. Eh mais vous puez la merde. Vous puez la grosse de merde. 7 m90 quoi. On en va encore 2 m10 les mecs quoi. Oh là là. Ouais bah tu devrais faire un peu plus de judo pour Léon parce que... Oh là là les gars quoi. Notre hôtel polaire maintenant c'est de la merde. Bravo les mecs. Hein. Vas-y tu sais quoi? Vous me dégoûtez, quoi. Allez, Pounz. Kanjiru. Kozumo kanjiru wa. Pekab. C'est vraiment super flippant, quand même. 7 mètres 8, c'est déjà pas mal. Non, mais c'est pas ça, la question, connard. Oh, j'hallucine. Qu'est-ce qu'on a trouvé, d'ailleurs, avec le cadeau? On avait pas un cadeau, là? Non? Comment on fait? On peut pas changer de personnage dans celui-là d'ailleurs? C'est dans le deuxième, on peut changer de personnage, mais j'ai pas l'impression que dans celui-là on puisse. Un autre cousin, il est arrivé. Oh cousin. Oh Nick! Oh, il s'appelle Nick! Nick, c'est toi, Théma! Ah, je peux pas me barrer avec en fait. Je comprends pas, c'est pas de bon sens. Il y a qui le dit? Il y a Lalala. Il y a Chicago. Il s'appelle comment lui? Johnson. Peso, Odeco, ça c'est Kuro, ça il s'appelle, non ça c'est Chicago, Ace, Fomin, Oshimin, là aussi, elle c'est une pute, Honey évidemment, Havana, le prince, oui ça c'est le conjo, mais le grand, il s'appelle, oui Odeco, lui il s'appelle comment la petite pyramide, Fujio, Fuji c'est pas montagne d'ailleurs non en japonais, comment il s'appelle lui la balle de tennis là? Viens là, ta grosse mère, la pute. Putain, mais laisse-moi. Marnie. Comme dans. C'est pas un truc Marnie? C'est dans quoi Marnie? Merde. Ça me dit quelque chose, Marnie? C'est pas grave. Bon, bah écoute, j'ai l'impression qu'on peut pas changer de personnage là. Pas grave. Donc, du coup, il nous reste une dernière. Et c'est. Faire la lune. Bah, Corneille et Marnie. Ah bah oui, je suis bête. Les fameux Corneille et Marnie, qui étaient dans le Wu-Tang d'ailleurs. Il
Ils étaient dans le Wu-Tang quand il y avait encore Old Dirty Bastard. Putain, j'ai bavé. Allez, go. Alors, cette fois-ci, pour faire la lune, il faut qu'on fasse 300 mètres. Donc, on est loin... J'ai bavé sur tout mon écran. On est loin des 50 mètres de merde qu'on devait faire tout à l'heure. Là, c'est 300 mètres. Ça va être énorme. Donc, il faut pas perdre de temps. Ce qui compte dans Katamari, c'est, comment on dit, la synergie, l'élan, en fait, qu'on prend. Pas l'animal, hein. Voilà, on retourne prendre ça. Et là, ils mettent la vraie soundtrack en plus du jeu, donc tu sais que c'est sérieux, là. C'est comme dans MGR, en fait, quand ils refoutent le thème du jeu, quoi. Et merde, et là, je me viande dans la flotte, ce qui est vraiment pas agréable. Et une super grosse vache, si je peux dire. La 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 Katamari Damashi. C'est quoi ça? Des petits trucs qui volent. C'est quoi ce mec qui fait de la muscu mais qui se laisse emporter par sa barre comme un cuck? Allez go, ne perdons pas de time. Les petites valises, les petits pots de fleurs, on peut pas encore. Les petites caisses. Ah, ce qui compte c'est vraiment de garder son élan en fait et de favoriser la synergie. De quoi? Je sais pas. Je peux prendre déjà les bureaux quoi, je peux pas encore. C'est dommage, ça va faire une grosse poche de trucs à prendre, ça va être plutôt pratique. Ah, je me suis fait pulvériser. Ça prend ça, prend ça. J'ai l'impression que les blagues sur les vaches et les darons, c'est récurrent dans ce jeu. Ouais mais c'est pas super respectueux quoi, MTE, je sais pas si... Ça m'embête quoi, parce qu'en plus à la méga force, je vais essayer de faire un petit peu attention à ce qu'on dit quand même. Donc insulter toutes les mères de vaches, enfin... Puis en général, les grosses putes, on les laisse tranquilles. Ah ouais, 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 ouais. Je veux tous les Daruma, là. Filme-moi tous les Daruma, là. Daruma. Voilà, Pekeb. Voilà. Non. Ah si, on peut prendre les mecs, on peut prendre les mecs, déjà. Même. On essaye d'être le plus PC possible ici. Bah, déjà, c'est plus facile à streamer. Et puis, il y a quand même une variété de jeux... C'est trop marrant le mec. Alors attends, alors par contre ça va me saouler par contre. Voilà, laisse-moi passer, voilà. Merci beaucoup. Alors prends ça. Ah waouh. Putain, je suis en train de faire bully. Voilà. On va prendre tout ça. Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est un gros avancement. En fait, il faut réussir à identifier les pochettes. Comme ça le truc que tu pourrais ramasser un moment. Et c'est vrai que ça favorise vraiment vraiment l'élan quoi. Genre tu passes, bim, tu prends 6 mètres d'un coup, tu vois, dans le huc. Oh, gros américain. Filme-moi, gros américain. Yes. Américain, en plus c'est marqué vraiment en bas à gauche, américain, quoi. Évidemment, il est gros. Tu vois, les barres de muscu pour le concours de force, elles font 75 kilos avec. Ouais, absolument, ouais. Pour l'entraînement, pour le overhead press, tu prends des barres de strongman à vide. Mais elles sont aussi extrêmement longues. Donc en appartement, ça casse un peu les couilles. Ouais, en général, quand ils s'échauffent, ils font du overhead press avec une barre à vide. C'était déjà 75 kilos, quoi. Mais je crois que, genre, dans le commerce, pas professionnellement, tu peux prendre... T'as surtout des 60 kilos, en fait. T'as 10 kilos, 20 kilos et 60 kilos pour les barres de barbelle. C'est déjà pas mal, 60 kilos, c'est déjà pas mal. Hein. Celle qui ressemble à des tubes. Oui, des barres, Poléon. On l'a compris, hein. Il est gentil. Alors, est-ce qu'on peut monter? Non, on peut pas monter là. Voilà. Voilà. Donc là, on a accès à quasiment toute la map qu'on a eu tout à l'heure. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas un genre de map qui lit toutes les maps. J'aurais bien voulu, tu vois, une mission où vraiment tu commences à ramasser les gommes et tout dans la maison du début pour ensuite, niquer des trucs et faire 300 mètres, quoi. Ça aurait été génial. Tu fais une partie qui dure une heure et mec, ça aurait été génial. C'est pas grave. Peut-être qu'ils l'ont pas fait parce qu'à l'époque, les limitations de la console le permettaient pas. Mais sur PC, ils auraient quand même pu rajouter un truc, tu vois. C'est une barre avec un gros tuyau autour. Non mais oui, mais on sait, Pauléon, on te vanne, c'est une vanne, d'accord. Très beau village d'ailleurs, c'est pas un village, c'est une ville. Ils ont un très beau musée de la céramique. Pas du tout.
Ok. Combien 4 mètres. Et il reste 21 minutes. Pas mal, 4 mètres c'est pas mal. On a déjà fait quasiment 5 mètres en 5 minutes. En moins de 5 minutes. C'est pas mal du tout. Une vanne c'est comme une valve, non? MTE, t'es vraiment un artiste parce que tu vois, des fois on comprend pas ce que tu dis. Alors si quelqu'un a envie de lui répondre, allez-y, mais moi j'ai pas confiance ce qu'il va faire. Comme dans. Comment? Comme dans Last Man en fait, je pense qu'il va me. Il va m'hypnotiser, il va m'obnubiler. Il va faire une espèce de grosse statue en rond avec des mecs glués dessus. Et ça me plaît qu'à moitié en fait. L'idée me plaît qu'à moitié. Faire partie d'une œuvre. Pourquoi pas? Même si j'estime que nous faisons plus, tous plus ou moins partie de l'œuvre de la vie. Mais être hypnotisé, non. C'est trop bien Last Man. C'est une tuerie Last Man. Ça va être un de mes dessins animés préférés. Avec bien entendu Ken le survivant, mais c'est un peu facile aussi. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Yahvé. J'ai un petit problème avec cette gourmette. Oui, donc je suis le père de Fabrice, oui. Qui doit être premier ou deuxième de la classe, je sais plus. Ok, hop. Donc là, tu vois, c'est ça que je voulais me servir tout à l'heure. Pour passer ça, il faut faire 12 mètres, mais t'as vu la taille du truc? Et je me disais, bah ça se trouve, on aura le droit à avoir ce panneau-là de 12 mètres là pour nous aider à savoir c'est combien 10 mètres, quoi, tu vois. Et putain, les mecs, 7 mecs 90, vous vraiment me décevez, quoi. C'est la dernière fois que je voulais se mesurer des trucs, hein. Avance, 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 voilà. Là, 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 là. Une tuerie, c'est comme une vanne. Je sais, putain, est-ce que MTE, il est en train de faire un genre de représentation artistique moderne en nous faisant nous poser des questions sur notre rapport au vocabulaire et à la métempsychose? Parce que si c'est ça, franchement, parce qu'il y a peu une bonne vanne, tu ris. T'es quoi? Hein? Non mais ok, intéressant. Intéressant, Andy Warhol. Ok, on peut prendre les bagnoles normalement là déjà. Allez, avance gros cul, avance, t'as une grosse cul, voilà. Non, je vais rester là encore un peu, yes. Les arbres on peut encore. Ça va venir de rire. Ça en prend aussi, toute la colonne là on prend, oh yes, ça c'est bon ça. Même, on va redescendre un petit peu d'ailleurs pour prendre ce qu'on n'a pas pris là. Un crocodile, et une girafe, un bœuf. Bœuf musc. Tuerie égale tuerie. Ah, tuerie, d'accord, parce qu'après une bonne valve, tuerie. Ah ouais. Non, c'est intéressant. Là, ce qu'il est en fait en train de nous expliquer à MTE, c'est que le cynisme des gens sur les tueries, voilà, qu'on a vu encore là au Sri Lanka ou alors à Columbine, se rapporte plus ou moins, voilà, à la comédie dramatique baroque. Donc, je pense que c'est courageux ce que tu fais, MTE. Bravo. T'es une inspiration pour nous tous, MTE. Bravo. Ok. Bon, on fait bientôt 10 mètres. Bah non, c'est juste une vanne de merde. Hein, mais Polyon, tu vas ouvrir un petit peu tes chakras ou quoi, là? Peut-être t'es fermé comme tout, là? Ouh là là. Tu veux pas une petite infu? Une petite infu? Sandy Hook, c'était un humour déstructuré. Désolé, Sandy Hook, c'était un peu de l'humour enfantin. Hein. Voilà, regarde, ça c'est bien ça. On va bientôt faire 10 mètres. En chopant ça et ça, peut-être, avec un peu de chance. Non, pas encore. Ok, pas encore. Ah, fuck! J'en suis où? Merde. Est-ce que je peux ressortir? Ouh. Ah si, c'est bon, ok. J'ouvre pas mes chakras à n'importe qui. Eh bah, tu devrais, Poléon. Ça te rendrait un petit peu moins fragile du chakra. ça entraînerait un peu ton chakra. Parce que là. Voilà, on fait que 10 mètres, on va pas pouvoir passer les 12 mètres pour l'instant. L'excavatrice, on peut pas la prendre. Salut Vito, ça va mec? Bienvenue sur cette dernière mission de Katamari Damashi. Alors on se retrouve aujourd'hui pour... Non, je t'ai cru. Voilà, impeccable. Je peux prendre le caillou? Je peux prendre le caillou, alors ça y est. On commence à prendre des trucs bien vénères. Là ça va aller quand s'améliorant. Je pense en fait c'est à partir du moment où on va pouvoir choper des maisons de façon assez systématique où là ça va rigoler quoi. Ça va rigoler de ouf. Les bus on peut pas encore.
J'adore faire des fausses liaisons comme ça, je sais pas pourquoi. Peut-être mon côté artiste. Oh, Katamari. Eh oui. Non. Allez, mon... Ouais, moi pas trop non plus. Ok. Il y a une mission course de voiture dans celui-là. Non, pas dans celui-là, non, c'est que dans Wheel of Katamari. Allez, allez, mais qu'est-ce que tu fous? Allez, go. Voilà. Dommage, c'était trop bien. Ouais, c'était super créatif la course de bagnole là. J'avais bien aimé aussi là. 12 mètres, il rampe à peine. Ouais, t'as bon, parce que faut arrêter hein. Le totem, on peut pas encore. L'abribus, on pue. personnellement, moi ouais. Maintenant les autres, je sais pas. On peut prendre les arbres là ou quoi? On peut pas encore prendre les arbres. Ça, ah, on peut prendre les grosses maisons. Ça c'est agréable par contre. On peut pas prendre encore le gros ballon nounou. Allez! Ah putain, je suis en train de tout paumer! Voilà, ok, on va pas s'en occuper pour l'instant. Yes, regarde-moi ça. Ah! Grandis, Katamari! Yes, mets-moi tout ton Katamari en entier. Dans la bouche. Allez, gros cul! Allez, gros cul, yes! Ah, on fait 12 mètres, on peut y aller là. On fait 22 mètres même, donc on est large. Genre ce petit solo de trompette là. Je trouve qu'il est... Il déboîte. Ah, Katamari 2019. Oui, bah excuse-moi d'être un petit peu investi dans ce que je fais. Oh là là. Ça, c'est comme les gens, tu vois, au collège qui disaient... Waouh, le mec, il est trop concentré, quoi. Pff. Moi, tu sais ce que ça a été, moi, au lycée, le truc qui m'a le plus saoulé en classe. Pas les mecs, parce que ça va, j'avais des copains. C'est pas les cours, parce que je m'en foutais, tu vois. Avec 2,5 de moyenne, en fait, tu passes le threshold de d'inquiétude, donc ça va. C'était quand tu parlais en anglais et que les mecs ils faisaient. Ah, ils parlaient avec l'accent et tout. mec. Oh putain, comment ça m'énervait. Quand tu perds des boosts, ça reste à côté ou ça se TP là où tu les as trouvés? Ça reste à côté de toi, ouais. Oh le cadeau. Non, reviens, Ultraman. Reviens, Ultraman. En vrai, c'est vrai. C'est-à-dire. Ah, le mec qui fait l'accent et tout. Ah, trop truc de ouf. Ah, best of fly. Ah, mec. Ah, ça me cassait les couilles. Tu disais, bah ouais, je fais l'accent, je parle anglais, non? Oui, mais on n'est pas anglais, on est français. Pour un accent en français, quoi. Bah, écoute, t'as qu'à regarder les interviews de Depardieu. Moi, je t'emmerde, quoi. Je fais mon accent, laisse-moi tranquille, tu vois. Non, en vrai, pour l'accent, c'est vrai. Bien, voilà, tu vois. Parce que bon, hello, my name is Maxime, and I am 21. Au bout d'un moment, c'est mignon si tu veux. Les étrangers ils aiment bien, ça donne un petit côté. Ça, tu vois, ça donne un petit côté écharpe pour qu'on ait un café quoi. Mais moi ça me plaît pas, je suis désolé. C'est de moi ça, mais non, mais Pounz est fait genre, mais Pounz elle est. Pounz elle est. Oh yes, Christ. Tu dis, hello, Pounz, how are you? There is no potato à côté de me. Please get one for me. Elle dit, yes, Christ, my lord. I will fetch you one right this moment. Speak, priest. L'accent français est trop sexy. En mange tes morts. Et non, mais non, voilà. Ça on n'y croit pas, tu vois. Ouais, l'accent. The accent français is so sexy. Ah, absolument, ouais. Ah, I am pommade in the bouchon, bordel de cul. Ah, ça, c'est la classe à la française. Bourre-moi Lyon. Oh! C'est merde, comment il s'appelle? Putain, c'est pas Rodan, comment il s'appelle? Ah, je me souviens même plus de son nom, merde! Bon, autant lire et comprendre, j'ai aucun problème pour l'anglais, mais parler c'est une cata. Mais oui, mais c'est pareil pour tout le monde, poteau, hein. Le plus dur c'est de parler, hein. Mais ce qui manque aux gens, et on en parlait avec mon pote Stuart. Ouais, parce que j'ai un pote anglais. Bah, on en parlait sérieusement avec lui, et lui en fait il est prof d'anglais dans une petite boîte à côté de chez moi. Et il disait le problème des français c'est pas forcément qu'ils sont mauvais en syntaxe ou qu'ils ont peur des langues, c'est qu'ils ont peur de ce, comment on avait dit, c'était quoi le mot qui était bien, de l'immersion, ils ont peur de l'immersion. Parce qu'il compte en fait quand t'apprends une langue, c'est pas genre oui alors il faut que tu te fasses des petites notes, il faut que tu te fasses des machin et tout. C'est l'immersion qui compte, voilà, comme le dit Momo, le truc c'est de l'écrire, on le fait souvent, mais parler on fait pas tant que ça. Ce qui compte c'est l'immersion, donc
À partir du moment où tu vas entendre l'anglais, ton cerveau il va faire tout seul, il va faire le boulot tout seul en fait. Si tu parles un peu, si tu écoutes un peu d'anglais, le cerveau va faire tout le boulot tout seul. Et c'est pour ça que, au bout d'un moment, une fois que tu parles pas anglais pendant un moment, les gens ils disent ouais, je suis un petit peu rouillé, tu vois, que ce soit même en anglais ou en espagnol, n'importe quelle langue. Quand on dit je suis un peu rouillé, c'est pas genre une expression pour dire ça fait longtemps, ça fait juste longtemps que j'en ai pas parlé, c'est que vraiment ton cerveau oublie les mécaniques d'un autre langage. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, l'immersion se fait plus. Mais à bout d'un moment, si ça fait un moment que t'as pas parlé anglais et que tu te réimmerges dans la langue en écoutant, en parlant, en écrivant, ça va revenir tout seul. Ça va devenir l'automatiste. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que les seules fois où on parle anglais, c'est pour insulter les autres sur les online. Bravo. Bravo le mec, quoi. Bravo le gars, quoi. Et le mec, c'est Modern Warfare 2 2006. Your Mother is a Camper, Noobtube, Double Globe 18, va niquer ta grosse race. C'est marrant de parler d'immersion à côté de la merde en Katamari. Waouh. Sylvain, de notre conversation sur le passé en anglais. Ah ouais, laisse tomber. Pour expliquer un temps, genre, pourquoi un temps est là, pourquoi on a le B plus ing, pourquoi on a le prétérit, pourquoi on a tout ça. Mais mec, c'est tellement chiant, quoi. Parce que déjà, ces temps-là n'existent pas. Alors, pour légitimer leur présence, mon gars, mais suce-moi la bite, quoi. Ça vient bien de quelque chose, mais c'est relou, quoi. Le jeu, il crée un peu par rapport à Ryu, c'est que moi encore, peut-être, hein. Ça, c'est bien possible. Hein. Tu vas pouvoir tirer quelques décibels. Piquable. Mais bon, je trouve que c'est bien de garder des trucs bizarres dans les langues comme ça. Moi, j'aime bien, c'est que c'est peut-être un petit peu. Je n'oserais pas dire puriste, mais. C'était un petit peu élitiste de dire ça, mais moi ça me fait chier. En vrai, hein, c'est pas pour mimer, hein, c'est pas genre ça m'a vénère quand on m'a dit non mais les haricots on a le droit de le dire maintenant. Je suis désolé, non. Les haricots tu dis pas, les haricots oui. Les hamsters, non, on dit les hamsters connard. Tu fais pas la liaison quand il y a un H. Bordel de merde. Le tiret, oui, on va virer le tiret parce que déjà ça sert plus à rien. Non. Moi d'ailleurs, si ça tiendrait qu'à moi, le français, on parlerait vous estoyez. tu vois ce que je veux dire? Longue vie au roi, etc. Moi je m'en bats les couilles. Hein. Les haricots, non mais laisse tomber, non, c'est les haricots. Voilà, comme l'a écrit Yadar, les haricots. Là je dis oui. La réforme de l'orthographe, ah là là, ça c'est deux mots que j'aime pas déjà. Déjà orthographe, bon, ça va parce que je m'en sors, mais réforme et orthographe dans la même pièce, franchement ça va se finir en coup de surin, franchement, en direct. Hein. Les haricots, oh putain, l'écriture inclusive, ça c'est pareil. Mais inclus ta mère, on a dit qu'on commençait. C'est quoi que j'avais vu là sur un trottoir? Liberté, égalité, sororité. Alors oui, le geste il est joli, c'est mignon si tu veux. Mais est-ce que c'est nécessaire? Tu vois ce que je veux dire? Un zémato. Ah, et puis virer les PH pour mes DF, virer les tirets et... Ah. Un oignon sans G. Moi, je dis encore un hôpital. Moi, je dis encore la chastellerie de Monseigneur. Je m'en bats les couilles, moi. En plus, c'est des points médians pour l'écriture inclusive. Oui, ouais, c'est des points médians. C'est même pas des petits points par terre, c'est des points médians, genre des points... Wow. Comment tu prononces un hématome? Je dis un hématome, par contre. Je dis pas un hématome. Non, je dis un hématome. Bam, je t'ai niqué ta race. Mais on dit un hématome. Je sais même pas, tu vois, il y a encore plein de règles que moi j'ignore. Hein. C'est comme censé et censé, avec un C et avec un S. Et ben je sais jamais lequel utiliser. Du coup, je varie un peu. On dit un bleu. Ah, quel homme. Bon, comme vous l'avez vu d'ailleurs, oui, j'ai pas commenté, mais comme vous l'avez vu, on devient assez gigantesque. Et donc là, on peut rouler sur ta grosse mère. Donc on est plutôt tranquille, on peut prendre les ponts, on peut prendre les bâtiments. On peut prendre, voilà, cet énorme bout d'île. Et voilà, on fait 300 mètres. Donc déjà, ça c'est fait.
Maintenant, il nous reste 6 minutes. Non, c'est pour dire qu'il y a des... Ah oui, mais carrément, il y a des exceptions, mais... c'est ce que je dis en plus, Pounz, hein. C'est que moi, les exceptions, j'aime bien. Ça rend une langue vachement, vachement riche. Les exceptions, tu vois, par exemple, en finlandais. La prononciation des mots en finlandais, tu prononces tout ce que tu vois. Il y a pas de... Genre, ce... Nous, par exemple, seconde, ça s'écrit avec un C, tu vois. Oignon, ça s'écrit wagnon. Enfin, c'est dégueulasse. Mais c'est génial. Alors qu'en finlandais, tu prononces toutes les lettres que tu vois. Il n'y a pas de surprise, en fait. Et moi, j'aime pas ça. Moi, je sais, moi, ça me plaît pas. Il y avait Raijin sur un... C'est quoi, Raijin? Parce qu'on a niqué un kaiju tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est, Raijin. Voilà. Ah, ça, on peut toujours tout à fait pas le prendre encore. Tu connais Linguisticae sur YouTube? Alors, il me semble que j'avais vu une vidéo de lui qui parlait justement d'ailleurs de la disparition des tirets, il me semble. Mais si je regarde pas, mais en vrai, oui, faudrait peut-être que je m'y mette, mais... C'était plutôt intéressant ce que j'avais vu en plus, donc ouais, faudrait que je mette un peu plus, ouais. Le Scrabble en finlandais, zéro fun du coup. Ah bah oui, surtout qu'ils ont pas de Z, ils ont pas de W, ils ont pas de X, ils utilisent rarement le C, même pas du tout, à part pour les marques ou les noms étrangers. Les X, j'ai dit, les F, je crois, très très rarement. Parce que par exemple, Finlande en finlandais, vous savez comment ça se dit? Tu sais, comment, Angleterre, en anglais ça se dit England, en français ça se dit France. Amérique, en américain, ça se dit America. Tu veux savoir comment ça se dit Finlande en finlandais? Suomi. Les connards, quoi. Suomi. J'ai parlé avec un pseudo l'autre jour pour les langues, je lui ai parlé de différentes façons de prononcer les E et les accents plutôt, et il m'a parlé de la prononciation différente d'une même lettre en fonction des mots. Il y a trois façons, c'est les G. Les G, ils ont des Y et des G selon leur position. Le K et le J se disent de façon bien différente aussi. En suédois, le S et le J, ça se dit H, un truc tout chelou. C'est le suédois, au niveau prononciation, c'est vraiment super vénère. Pareil pour le norvégien, hein. Mais la simplicité du finlandais dans sa prononciation, ça vient du fait que c'est pas une langue scandinave, parce que la Finlande n'est pas un pays scandinave. Et la langue finlandaise, c'est une langue ouralienne, donc qui vient vraiment pas du même coin. Je crois que la langue la plus proche d'elle, c'est le bulgare, et encore, ça n'a rien à voir, quoi, tu vois. Mais voilà. On va passer les 1000 mètres si on continue, mais je sais pas, écoute, parce que là, il reste plus grand chose d'énorme à choper. On va faire 800 mètres. Toriletavatan. Perkeleito. C'est génial le finlandais, j'aime beaucoup moi comme langue. Ah, on commence à avoir les petits angelots autour de nous, donc ça veut dire qu'on est... je sais pas. Je crois que ça veut dire qu'on a chopé plus de 80% ou 90% des trucs de la map. Ramasse mes grands morts s'il te plaît. Je suis en train, Spider, je suis en train. T'as quand même pêché un arc-en-ciel, félicitations. Pounz, regarde le nuage devant moi. Je viens d'attraper le nuage. Et un arc-en-ciel, ça te choque? S'il te plaît, regarde, je vais aller prendre cette tornade. Voilà. Elle s'appelle Marie en plus. Oh Marie. Et là, ouais. Tout mal. Je sais pas si on va pouvoir dépasser un kilomètre les poteaux. Hein. Les Finlandais ont les mêmes bases que l'Estonien, le Lituanien, etc. C'est vrai. C'est vrai. Des langues ouraliennes. I have the power of God. Mais je suis en train d'apprendre en ce moment le suédois avec Duolingo, et si jamais ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de Duolingo, même en général, l'application est vraiment super stylée. Petite application pour apprendre les langues, c'est gratos, entièrement gratos, et c'est vraiment super sympathique, ça utilise des techniques bien particulières d'immersion et d'appréhension de la langue. Alors après, évidemment, c'est du travail à compléter par soi-même, hein. Comme d'habitude, quand t'apprends des langues, c'est pas juste c'est bon, t'y vas et t'y connais, tu vois, c'est à compléter. Mais rien que juste en faisant les leçons comme ça, une par une, c'est vraiment super sympa. T'as pas intérêt à louper une leçon, ouais, bon, par contre, ouais. Moi, il m'a déjà kidnappé mon chat et mes deux chiens, donc bon. Ça va, il m'a envoyé un doigt de ma mère pour m'assurer qu'elle était encore en vie. Donc ça va, mais bon. Putain, j'ai loupé une leçon de suédois, mon gars. Mais bon, au moins, ça t'assure que tu sais que tu connais la langue, voilà. Je me suis mis à Duolingo aussi. Russian Week.
Ouais, non, non, c'est vraiment sympa, Duolingo. T'apprends quoi sur Duolingo? Parce qu'en plus, moi, j'apprends le suédois, mais le problème, c'est que il n'y a pas le suédois à partir du français. Donc j'apprends le suédois à partir de l'anglais. Le problème, c'est qu'en suédois, ils ont la double deuxième personne. Donc ils ont la deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel qui est différente. Donc quand tu dois dire you ou your et qu'il faut traduire, et bah t'as une chance sur deux littéralement. Donc mais ça se fait vraiment bien. Je me remets à l'allemand. J'avais commencé un petit peu aussi l'allemand et le japonais aussi sur Duolingo, mais j'ai moins tenu, ça m'avait moins passionné. Vraiment le suédois, j'aime vraiment bien là. Au schle, au Fridolin. Bon, écoute, on va faire nos bons 864 mètres quand même. Ça fait pas mal, mine de rien. On a bouffé toute l'île, on a bouffé tout le Japon, hein. Quelque part. Regarde, 866 mètres. On a tout chopé, poteau. Et on a commencé, on était grand comme une poule, hein. Quand même. Regarde-moi ça. Yeehaw ! Ça flotte, mais ce n'est pas un rêve. Et quoi ? 867 mètres, 1 cm et 6 mm, quand même. Cette silhouette est si souple, ce poids substantiel, cette humeur douce et la vague croissante de l'amour familial. Nous sommes touchés. Oh, c'était si rapide. Comment avez-vous fait ça si vite? Nous ne pouvons pas nous en occuper. Nous devons nous en séparer. Si nous ne le faisons pas, nous allons mourir. Quand c'est si grand, il est difficile de dire ce que vous avez le plus. Nature. Oui, tu m'étonnes, j'ai chopé des îles entières. Ça alors, il y a vraiment beaucoup de choses sur Terre. Nous allons maintenant lancer la lune dans le ciel. La petite pluie. Oui, t'as vu? Je kiffe. Tout, tout, tout. Et voilà. Excuse-moi. Ah. Merci pour le recept qu'on n'a pas vu. Ah, il y a eu des trucs. Ah oui, parce que moi, j'ai rien sur mes alertes. Bah désolé, si jamais c'est passé des trucs, désolé, hein, mais j'ai rien reçu, moi. Le ciel est fini, le ciel est terminé. Nous sommes fatigués. Je vais rentrer à la maison. Faire rouler un catamaran est très dur, t'as rien foutu gros cul. N'est-ce pas, Prince? C'était dur, hein? Enfin, c'était dur pour nous également. Regardez ça, depuis le cosmos, c'était très dur. Très, très ennuyeux, nous somnolions presque. Nous pouvons enfin rentrer, dormir. Nous allons faire la fête. Le prince est plus grand, de 2 cm. Il faut célébrer ça. Mère, il faut un gâteau. Allez, c'est parti, les gars. Allez! Allez, je veux que tout le monde bouge, là. Ça bouge les épaules, là. Je sais pas pourquoi il y a un remix. Oh, y'a mon gars. Oh, La 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 la. Oh, il est bien celui-là. Vas-y, je le prends. Ah, les illustrations de ouf, mon gars. Oh la vache. Putain, ça m'énerve. La 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 la. T'as vu qu'il y avait une planète entièrement constituée de vaches et de crustacés derrière, hein. Caralho. Caralho. Vous mourrez. Yes. Merde, j'ai fait un screen d'un écran noir, super. Génial. Et bah voilà. Eh. Wow, oh là là. Oh, le thème de fin, mon gars. La chanson. Elle est géniale, mec. Attends, je la mets un peu plus fort, bougez pas. Hop là. When I was young. Oh yes. Kiribati, les îles Marshall, Nauru. Île Salomon, État fédéré de Micronésie. C'est quoi ces pays à la con? Ah, Philippines, je connais. Palaos. C'est quand t'es pas au Laos. Singapour, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos. Ah bah tu vois, c'est juste à côté de Palaos. Taïwan, Corée. Konosienyo Rushan. Allez, chope tout. Chope le monde. Chope le monde, prince. Timor Oriental. Super, Timor est vraiment plus fort. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Oh là, le Koweït, France, Chypre, Grèce. Oh la vache. Tu vois, c'est les états que je prends là? Non? Ah, c'est l'Afrique? Je suis en Afrique là? What? Ah oui?
La chanson est non ironiquement géniale, par contre, on est d'accord. On est d'accord que la chanson est des boîtes, non? Mais arrête de piller des pays. Mais non, je suis né pour rouler. Born to roll. Il y en a encore là-bas, des petites îles. Nouvelle-Zélande, Vanuatu. Bip bip. Voilà, impeccable. Fidji, Samoa, Tonga. Putain, c'est quoi ces pays à la con? J'ai vraiment jamais entendu parler, quoi. J'arrive pas à prendre ça, là? Tu vas lâcher la Suisse tout de suite, par contre. Non, elle reste. Je la mets au milieu pour être sûr de pas paumer. Lettonie, Tunisie, Malte, Vatican, Lituanie, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Sao Tomé, Principe, Cap Vert, Sénégal, Guinée, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Libéria, Namibie, Botswana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Swaziland, Lesotho, Brésil. Là, j'arrive pas à choper plus là. Allez, allez, avance. En plus, on peut pas faire de boost. Par contre, Madagascar, là, non? Non, je crois que j'ai passé Madagascar. Je suis où là? Ah non, c'est l'Australie. Pff. Madagascar en Australie? Ouais, j'adore. C'est super joli en plus. Ah, on a chopé les États-Unis quand même, hein. Oh la vache. Ça c'est quoi? C'est Terre de Feu? Madagascar. Ah bah voilà, Madagascar. Ça c'est Antarctique? Non, ça c'est l'Australie. On dirait quand on lit les noms chelous dans les crédits au ciné. Mais il y a des pays rigolos, j'y peux rien. Est-ce que tu vas me dire que le seul pays que je peux prendre, c'est quand même les États-Unis d'Amérique, parce qu'ils sont extrêmement badass? Ah, il m'en reste un petit peu là. Il m'en restait au coin de la bouche. Vous avez un peu de pomme de terre là. Panama, Bahamas, Gambie. Gambie, c'est le fan qui se fait toute sa merde là. Bah, mais je veux pas prendre. C'est la Russie? Ah, c'est la Russie. Non, il m'en reste plein. Nine. Ich want the Russie. Salvador, Guatemala, Mexique. Oh, je voulais pas le Mexique. Ah, la Russie. Et voilà. Ah. On a roulé la terre, comme Madoff, comme Bernard Tapie. Russia strong, VDV, Snowa Privet. Et ben voilà, hein. Trinité et Tobago. Fuf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 
Va, Russian, va rouler l'univers. Jess, conquérant dans la lumière. Le petit chien dessiné sur le mur. Ah, j'ai pas vu. Où ça? Calor. Où ça, un petit chien dessiné sur le mur? Oh. Oui, exact. Pip. Ah, moi ça, mon gars. Oh la vache. Oh la map. On a jamais trop regardé en fait la map en entier, mais. Petite souris. Petite souris. Pip. Oh, il va. Écoute. Écoute. Attends. Le cri le moins nécessaire du monde. Mets-moi un doigt dans le pétou. Mais t'imagines si genre justement faire partie du katamari, c'est un peu comme dans Last Man où tu te retrouves dans un genre d'état quasi orgasmique, mais pendant toute la fin de ta vie, pendant des dizaines de centaines d'années. Et genre il te garde en vie artificiellement avec son pouvoir cosmique. Et toi t'es juste là et t'es obligé de supporter ça pendant des années jusqu'à ce que tu meurs de folie. Mais il te réveille. Du coup en mode éternel tu peux partir de 1 cm et aller jusqu'au pays sans limite de temps. Bah j'ai l'impression. On va voir ça tout de suite, mais normalement je crois que c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, je disais oh, c'est vraiment dommage, putain on peut pas voilà quoi. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu... ils arrêtent d'y penser, quoi. Moi, je dis ça, je dis tout. Donc, ouais, en fait, je crois que c'est quand tu fais vraiment des scores cool sur certaines maps où tu vois les angelots, tu vois, tu commences à voir les angelots, je pense que tu débloques le mode éternel. Et ouais, du coup, tu pars de très, très, très petit pour aller à très, 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 très gros. Et comme ce soir, c'est Pâques et que c'est jour férié et que du coup, c'est la glandasse, hein. Et bah, écoute, je vais faire ça tout de suite. Je vais commencer très, très petit. Pour finir par rouler l'univers, parce qu'on peut et parce que c'est les vacances. Salut à Adécitu. Ce petit paquet de... Attends. J'ai été impressionné par le réalisme de ce petit paquet de pain en tranche, je sais pas pourquoi. Regarde. Rate cette petite pain en tranche. Merde, allez. Attends, je veux mon pain en tranche. Regarde-moi ça. Je sais pas pourquoi il m'impressionne autant en fait. J'ai l'impression qu'il a l'air bon. Évidemment, on peut pas le voir quoi. Il va niquer ta grosse mère quand même quoi. Qu'est-ce qu'ils font les piafs? Pourquoi les pigeons ils se baladent avec de la margarine et avec un petit burger? Non, c'est quoi? C'est de l'huile d'olive? Ou non, c'est un jus d'orange. C'est un jus d'orange japonais ça. Regarde. Je comprends pas, hein, mais c'est du pain jaquet, oui. Enfin, jaquet. Chérie, tu pourrais me passer le pain en transe jaquet? Absolument. Désires-tu un peu d'orangeade? Grand connoisseur. Les oiseaux, ça vole. Eh ben, écoute, MTE, je vais dire un truc un peu controversé, mais j'ai l'impression que c'est le truc le plus intelligent que t'as dit ce soir et qu'on a compris dès le début. Plutôt de focus. Et mon petit dame me dit que vous en êtes pas la moitié d'un. Oh la vache, le bordel qu'ils ont foutu sur la map là. Désirez-vous une gorgée de jus d'orange? Chokerusan. D'orangeade. Joker, c'est le jus d'orange? Mais c'est quoi? Ils font pas des yaourts aussi, Joker d'ailleurs? Joker? Je confonds? C'est quoi les yaourts? Y a un yaourt qui a un même. Non? Joker? Qui joue? Oh, un petit chien! Regarde! Attends, petit chien! Non, me tape pas! Regarde-le, il est adorable! Pip! J'adore. Kichou. Oh la vache, y'a plein de curry en boîte. J'ai jamais, au grand jamais de ma vie mangé de curry japonais. Et ça me déçoit un tout petit peu. Oh. Nous allons peut-être aller surfer, genre génial, etc. D'accord. C'est quoi cette track? On l'a déjà entendu celle-là? Ouais. Donc quand tu changes de strat en fait, de stratification de taille, t'as des nouvelles chansons. Ah si, on a déjà entendu celle-là. Ouais.
C'est bien l'un des trucs que j'aime bien sur le Japon, c'est la bouffe. Ouais, 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 la bouffe, leur jus, leur... leur, en fait, leur saloperie. Ce que nous, par exemple, on considère comme genre les Kit Kat et trucs comme ça. Tu vas te calmer par contre ? Est-ce que j'ai ramassé les dessins qui étaient sur le mur ? Regarde ! J'ai des petites fleurs ! J'avais pas vu ! Il y a 80 ans, on a massacré des Chinois. On les a plus ou moins réduits en esclavage, mais on n'en parle pas. On préfère parler d'autres trucs. C'est comme le génocide arménien, on n'en parle pas assez. Je vais arrêter d'être politique. Un petit chat. Je prends le pipa ou quoi? Pas encore. J'adore en plus le fait que dans le jeu, tout a été fait... Genre, c'est cramé que tout a été fait à la bouche, en fait. J'avais pas vu qu'en fait, ce toboggan était une grosse girafe. Que c'est cramé que tout a été fait à la bouche. Genre, les chats, c'est des mecs qui font... à côté d'un micro. Le chien, c'est un mec qui fait... Je trouve ça génial, je trouve ça super. C'est encore plus attendrissant, quoi. On est vraiment 60, là. Damn, la team... Merde, in shape, je sais pas quoi... C'est quoi que j'ai vu récemment sur Twitter? Il a traité un mec de négro ou je sais pas quoi, non? Thibaut InShape? Il a dit à la fin genre Dame Nigger ou je sais pas quoi? Na 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 na. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais, je sais plus très bien. J'ai... Le Niger. Ok. Pécable, regarde-moi ça là, ça avance tranquille en plus, on a même pas de temps, regarde, on peut juste s'amuser pour une fois. On peut enfin connaître ce que c'est une vie sans problème, sans timer. Et tu vois, autant je disais tout à l'heure, ouais c'est dommage, ils avaient pas foutu de timer, enfin ils ont foutu des timers partout, les missions elles sont contraignantes et tout. Déjà c'est pas un problème, mais en plus le fait de mettre en mode bonus à la fin des trucs qui sont infinis. C'est génial quoi, c'est du génie. Oh, les petits pigeons! Et les petits pigeons? Ils vont se nourrir tout seuls, les petits pigeons! Non, c'est que Thibaut, là, il fait des vidéos dédicaces payantes, sauf qu'un mec a dit s'appeler Nigger. Oh là là! Oh là là! Allez, allez, allez! Yes! Oh là là! Damn, Nigger! Faudrait que j'isole ça et qu'on en fasse une émote. C'est, et on, qu'on soit d'accord, putain mais je suis con quoi. Qu'on soit d'accord, c'est bien lui aussi qui était allé dans un camp de concentration pour faire des pompes. On est bien d'accord sur son point là. Allez, non, Katamari. Oh merde. Voilà. Attends, je prends les petits pigeons et les chaussures là. J'ai pris des chaussures. Ouais, ouais, d'accord, ok. Ok, donc c'est bien lui. C'est bien parce qu'il enchaîne des idées de merde et nous à côté on a l'air limite. Limite timide en fait à côté de ce mec. Je peux monter. En fait, depuis tout à l'heure j'essaie de monter là pour choper des slips. Et voilà. Ah, le voilà. C'est le voleur de sous-vêtements. Ah, d'accord. C'est flippant non? Tu vois? Je me rends pas compte. Na 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 na. Ah oui, quand il disait « Et vous faisiez même pas de sport !» Damn les juifs, vous faisiez même pas de sport alors que vous aviez des super... du super... Vous aviez des mines, vous aviez des cailloux et ça peut même pas faire ses calisthenics. Damn la Tinju. Qu'il est con le pauvre. Comment il fait pour pas s'en rendre compte? Comment il fait pour pas se rendre compte qu'il y a un problème quoi? Le parcours d'obstacles parfait. En plus ces gentils gardes vous font un peu courir dans la cour. Ils vous laissent pas fumer par peur pour votre santé. Et vous encouragent à prendre des douches souvent. Et vous plaignez, vous faites même pas de sport. Eh mais. Damn! La team Judas. Damn la team étoile jaune.
Thibaut InShape. Mais Thibaut InShape, il doit avoir tous les albums de Marceau, il doit être abonné chez Ring. Il doit... Je suis sûr, il fait genre comme ça, oups, tu vois, mais en fait, il y a Anguille sous Alter, comme on dit. Le problème chez lui, c'est que c'est vraiment pas volontaire, sa connerie. Damn, la team Palestine! Damn, la team Goebbels! Vous pensez pas que la saucisse et la choucroute, ça a quand même pas mal de carbs? Damn! T'as vu ce nombre de glucides dans ce Zyklon B? Voilà, regarde, hop. Ça va être la partie de Katamari la plus longue du monde. Et tu vois, j'ai même pas peur. Voilà, on fait 1m50, on peut passer. Allez, nouvelle chanson. Impeccable. Ah, celle-là, on la connaît par contre. Bim, bim. C'était quoi ce bruit? Madame, bim. Casse-toi. Voilà. Wow. Il est trop fou, lui. C'est Thibaut InShape, regarde. Damn, la team, je fais flip des vélos. Quand je rentre chez moi, je veux le club. Damn, la team InShape, saviez-vous que 60% des crimes étaient causés par une seule minorité? Damn, savez-vous? Damn, la team Détroit. Pourquoi vous êtes en récession à votre avis? Damn. Thibaut InShape. Thibaut Schwitz, merde. Allez go. Oh, j'ai ramassé des petits bébés tortues en fait. Je pensais que c'était une petite tortue. Allez, ouais, après avoir parlé de Détroit et d'immigration, parlons des petites tortues histoire de faire passer un petit peu la pilule. C'est ça un peu en fait la mégaforge, c'est la douche écossaise de la moralité quoi, si tu veux. T'as un moment, t'as une blague sur le génocide arménien, et juste après on te montre des petits chiens, tu vois. C'est l'équilibre qui est cher à mon cœur, tu vois. Je pense qu'il est beaucoup trop naïf parce que sa connerie de poster une photo avec un cadavre, quelqu'un lui a reproché, mais son excuse était il a plus de famille, du coup ça. Il a plus de famille, du coup ça va. Oh le pauvre. Ouais non, je crois qu'il est vraiment définitivement con. Ouais. Il a juste un frère de 80 ans. Ah oui, mais attends, je l'ai vu ça. Sa seule famille, c'est son frère de 80 ans ou je sais pas quoi là. Oh là là. Ah putain. Le gland, le vrai gland. Ça fait longtemps que j'en cherchais un comme ça pour ma collection de glands. La meilleure excuse du monde. D'ailleurs, en fait, il a plus ou moins dit qu'il s'en foutait. Mais déjà, pas méchamment. Et en plus, les gens, ils sont outrés. Enfin, c'est génial comme pub, quoi. Damn! La team InShape, aujourd'hui, on va commencer à massacrer des mecs dans la rue. C'est pas grave, ils ont pas trop de famille, de toute façon. Damn! Damn, la team InShape! On va essayer de draguer des fans youtubeuses mineures. Damn! Allez, go. Thibaut, c'est notre Logan Paul. Ouais, mais Logan Paul, il est définitivement mauvais. C'est un méchant, Logan Paul. Il est mauvais, hein. Il est... Le truc du cadavre, machin, il s'en bat les couilles, Logan Paul. Hein. C'est un dégueu, hein. Après, je le connais pas IRL, lui. Mais à mon avis, il doit pas être... doit pas être très, très éloigné de ce qu'on voit. Logan Paul, c'est un méchant d'anime. Ouais, c'est ça, un peu, on dirait... Murai, tu sais, dans GTO, mais au début, quand il aimait pas trop encore Onizuka, tu vois. Hop là. Nous allons peut-être aller aux saisons de bronzage, d'accord? Dis si je t'emmerde, hein. Oh, le petit Ballroom Blast, là. Ballroom Blitz, je veux dire. Toulouloulou, tou. Pip. Ok, go. Moi, je pense que PewDiePie est gentil. Oui, j'imagine qu'il est gentil, ouais. Il a pas vraiment montré qu'il était méchant depuis le début, hein. Si? Ah, si, oui, non, attends, il fout la merde en son moment, faire des trucs avec des nazis ou je sais pas quoi, là, non? Il me semble avoir vu ça où il a dit, non, je sais plus. Bah, si, le truc avec les juifs. Mais alors, il peut être gentil et faire des blagues, hein. Regarde, Dieudonné, il est adorable, Dieudonné, hein. Il a des chiens, il a 7 enfants, il a sa femme qui est à moitié hippie aussi. Il est gentil comme tout.
C'est juste qu'ils cherchent la merde, c'est différent. Il y a une très très grande différence entre chercher la merde et être activement méchant. Hitler, par exemple, faisait les deux. Nous, on cherche juste la merde aussi avec nos blagues dégueu. On n'est pas méchant, hein, Mégaforge, hein. À part Poléon. On est pas méchant, hein. Tac, voilà. Allez, 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 monte, allez, monte. Oh, si, dans le village, allez, 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 allez. Allez, yes. Voilà, tout ça c'est à moi. Tout ça c'est à moi. Yes. Super, non mais c'est à vous. À vous, Poléon, t'es un peu méchant quand même. Rends-moi la rue. Non, j'avoue, non, pardon. Non, je déconne. Tout ce que j'ai dit là depuis le début, je déconne. D'ailleurs, je vais recommencer le stream parce que depuis tout ce que je raconte depuis 20h en fait, je déconne. Non, c'est moi le plus gentil. C'est vrai que c'est Momo. Momo à qui d'ailleurs je dois encore le jeu The Forest. Parce que je lui ai fait boire un truc sur la table et en fait je me suis fait niquer. Il y avait un genre de verre avec un mélange de soda, ça avait l'air dégueu de loin, mais en fait il y avait que du coca dedans quasiment. Et il m'a dit ouais, ouais, pour n'importe quoi je le bois. Je fais bah si tu veux je t'offre The Forest. Il a fait d'accord. Et voilà. Et alors, du coup c'était un peu nul. J'étais un petit peu déçu, mais c'est pas grave. Écoute, des fois il faut savoir gagner, hein. Comme disait les Mickey Mister. You win, you lose, it's all the same to me. 7 on 11. C'est quoi qu'il y a après? Don't forget the Joker, comme on dit. Quel tchad ce Momo. Ruru bambouselé par du coca. Mon meilleur allié en plus, quoi, t'imagines? Voilà, regarde-moi comment on gonfle. L'éléphant, yes! On peut choper ce diplodocus? Non, pas encore. Attends. Oh putain, ça me gratte maintenant! Ah! Ok. Ah! Voilà, impeccable. Oh, hélicoptère! Non, on peut pas. Ah, si, c'est bon, j'ai. On peut prendre les maisons? On peut commencer à prendre les maisons. Oh la vache. On commence à choper le centre-ville là. Ouh, et bon, et là, c'est bon. Et là, c'est j'ai envie de dire, sans vouloir faire de jeu de mots facile, c'est en roue libre jusqu'à la fin, quoi. Ce petit solo de feu de traversière là. J'aime bien le jazz malgré que j'en écoute pas tellement. Mais les élitistes du jazz, c'est un peu comme le métal en fait. Tu sais, quand tu vas sur des vidéos de Mercure ou Sunbather ou Alcest, ou truc comme ça, et que les puristes trop cultes du black metal commencent à gueuler, tu vois, ça m'insupporte. Mais c'est encore plus insidieux, j'ai l'impression, sur. Il a chopé Balavoine. Sur le jazz. Dans le mec fait ouais. C'est bon ça. Je savais que Louis Fat Black Junior était en réalité. Il a fait tout sur la clé d'ut première machin et je trouve ça insupportable. Et pour l'instant j'ai pas croisé quelqu'un qui aimait le jazz et qui ne se sentait pas obligé de corriger tout le monde sur quoi que ce soit, tu vois. Le jazz, on dirait, il s'écoute jouer. Oui bah heureusement, sinon c'est chiant, hein, tu vois. Moi aussi quand je fais du métal je m'écoute jouer, mec, hein. Là, regarde. Le tien, il fait le sketch des inconnus. Lequel? Celui avec le. Les langages perméables, là? Autant que faire ce peu, ou je sais pas quoi, là, non? Je sais plus. Un petit bon goût de fier. Ok, les mecs qui baillent sur mon stream, Cimer. Nussie! Ah oui, c'est vrai qu'elle s'appelle Nussie, la créature marine. Deep Heaven, c'est pas du métal, là. C'est pas du black metal, Diffévent. Diffévent, c'est du post-black, ok? C'est limite du shoegaze, quoi, ok? Donc, putain. Moi, j'aime. Moi, mon black metal, j'aime quand il est fait derrière les barreaux d'une prison norvégienne avec un synthétiseur, ok? Bourzoum! Boomzoom! Moi, j'aime que Boomzoom! Avant-garde! Non, mais de toute façon, les élitistes sont chiants partout. Moi, je sais que je le suis au niveau du jeu vidéo, donc c'est pour ça je parle pas trop fort, mais voilà. C'est chiant de toute façon. Par contre, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir devenir plus grand que l'île là? Parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu bloqué, non? Somos blocado. C'est Nessie, le monstre du Loch Ness. Ouais, mais ils ont pas dû avoir les droits. Est-ce que je peux pas prendre le.
La montgolfière, je sais pas. Ich kann nicht befecken. Non, je peux pas. Bon, bah tant pis. Ah, par contre, ferme ta gueule. Ah, bah yon. Merci au pseudo pour le resub. Merci, man. Ça fait plaisir. Et promis au pseudo, la prochaine fois que tu me donnes des conseils sur... sur Prison Architect, je t'écoute, d'accord. Bon, ça se trouve, t'as écrit quelque chose tout à l'heure à propos du renommage de Jean, et j'ai toujours pas lu. Mais voilà. Et encore, Ruru, niveau élitisme, t'es quand même un gros casual. Ça va, j'essaie d'être un petit peu ouvert, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, je suis pas le pire, hein, je suis très clairement pas le pire. Si je rejoue là, si je joue un remake de Katamari Damacy sur mon PC, déjà, c'est que je suis pas un élitiste. Hein. Clairement. Hein. Du coup, quand ils ont sorti le nouveau Black Brick, j'étais très content parce que tout le monde a fermé sa gueule. Ah oui, Death Heaven, ou... Oui, c'est ça, Death Heaven, qui est sorti un... Les morceaux qui sont bien plus vénères là récemment. Là. Mais en même temps, c'est cool parce que ça prouve vraiment qu'ils font ce qu'ils veulent, les mecs. Hein. Ils ont leur ligne éditoriale et puis vas-y que je fais de la musique, quoi. Ça, c'est bien. Est-ce que tu penses que je peux monter ? Spider est pire que toi. Ah oui, Spider, c'est clair. Niveau élitisme de jeux vidéo, Spider, il se pose là, le gars. Hein. Spider, je l'ai jamais entendu plus dire quelque chose que quand tu parles d'un jeu qui fait « Oh, il est chiant, je me suis fait chier. » Voilà. Voilà. S'il y a des gens ici qui ont déjà entendu parler Spider, que ce soit online ou IRL, vous savez que « Oh, il est chiant, oh, je me suis fait chier. » C'est sa catchphrase, quoi. « Oh, il est chiant, oh, je me suis fait chier. » Franchement. Mais je crois que je suis bon, là, j'ai fini, mais du coup, on n'a pas chopé toute la planète, hein. Et on fait que 24 mètres. J'ai envie de dire, 24 mètres dans le milieu du Katamari, c'est vraiment... c'est un bébé. C'est un nouveau-né. Bien entendu. Et on va se poser à la réunion des gens pas connards. Ouais. Toi, t'es pas un connard, Yadar. Eh ben... Je sais pas où ça nous mène, mais... J'ai l'impression que tu veux nous balancer une grosse blague, là. Non, y'a que Nick qui est pas un connard. Nick, c'est un... Il est animé uniquement par les bons petits plats et les chiens. Non, je sais pas. Les petites poules aussi, non, Nick, il est adorable. Et les ratounes. Je peux monter là ou quoi sur la route? Oh, par contre, je suis définitivement un connard. Ah, oh. Si? Non? Non? Je peux pas? On peut pas se barrer par là? Un marshmallowdon. Je peux me barrer par là, là? Oh, c'est la fin du niveau. Ah, chaque ça. Bon, bah, tant pis. Eh bah, écoute, c'est pas grave. On a déjà fait un joli Katamari. Du coup, donc ça, c'est une map. Je me demande combien de maps il y a en tout. C'est assez étrange. Je crois pas que je sois élitiste de quoi que ce soit, mais je suis sûr qu'en cherchant bien, je trouve. Mais tu sais, de toute façon, Momo, tu seras forcément le connard de quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui disaient que Gandhi c'était un connard, donc déjà, si tu pars de ce postulat-là, t'es sûr que... Il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que Trump est quelqu'un de fantastique. Après, voilà, c'est au niveau du spectre personnel de ce que tu trouves un connard et pas un connard. C'est extrêmement varié, tu vois. Je suis le connard de qui, moi? Toi, ce qu'il y a dur, t'es le connard... Non, j'ai fini ma phrase. T'es pas un connard, t'es le connard. Gandhi, c'est un connard nationaliste. Bon, et bah écoute, je pense qu'on est bon là. Je pense qu'on est. Je pense qu'on a fini. Écoute, ça fait combien de temps? Ça fait 1h58 que j'enregistre. On va attendre 2 minutes, le temps que ça. Juste que ça fasse 2 heures parce que mon PTSD. Enfin, mon PTSD, mon TOC adore voir 2 heures sur YouTube. Du coup, et bah écoute, tu sais quoi? Je vais vous montrer. Plein d'origine, tiens, on se casse. Je vais vous montrer la petite animation quand on coupe le jeu. Ah, attends. Ouh, la vache. Oh, je m'étire, je suis désolé. Là, je viens de me déplier entièrement, quoi. Lucien, c'est le connard de Mireille Mathieu. Oh non, je suis le connard de plein de gens, moi. Regarde l'animation. Regarde. Théma. Pipi. Est-ce que c'est pas adorable? Est-ce que c'est pas adorable, franchement? Franchement. Bon, et bah écoutez les potos, j'espère que ça vous a plu. J'avais oublié que Claudie est en train d'avoir un spaz. On va passer du coup sur Euro Truck Simulator 2. Donc voilà, on continue sur le thème Chilos.
de la soirée. J'espère que ça vous a plu de voir Katamari Damacy reroll en entier. Donc ça s'est fait. On a fait We Love Katamari et Katamari Damacy reroll en entier. Je pense pas faire les autres, Katamari Forever et etc etc. Tout simplement parce que les autres, le créateur original de Katamari n'a eu aucun input dessus. Déjà, je crois que sur We Love Katamari, on n'avait pas eu beaucoup. Mais voilà, le mec a pas été du tout intégré dedans. Donc je les ferai jamais. Les autres, j'y jouerai peut-être, mais quand je dis je les ferai jamais, c'est pas non plus exclusif. Hein, mais donc voilà, Katamari, moi en tout cas, ça m'a plu énormément. Ce jeu est un exemple dans énormément de champs différents, si bien que en ce moment je suis en train de bosser sur Unity et je suis en train de commencer à faire un peu mon petit jeu. J'en parlerai pas tout le temps. Je suis pas en train de faire ma promo, c'est ça que je suis en train de dire quoi. Mais voilà, je suis en train de faire un petit jeu histoire de tester, tu vois. Et je compte baser pas mal de trucs sur ce que j'ai vu sur Katamari. Étant donné qu'en plus Katamari était un projet étudiant à la base. Voilà, je compte faire un petit truc. Le jeu avec Rupert. Non, pas un jeu avec Rupert. Mais je vous en parlerai. Vous en parlerez. Vous inquiétez pas. Y a pas de problème. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dans quelques minutes le temps de setup Euro Truck Simulator 2 de trouver une bonne playlist bien beauf à foutre pour conduire des camions. Et puis on se retrouve dans quelques secondes. Allez, ciao, à tout de suite.